Bonsoir, chers amis du Zapin 209. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 mai 2021. Dans cette émission spéciale que nous faisons aujourd'hui, qui sera consacrée au décryptage, n'est-ce pas, de l'interview du chef de l'État, Patrice Talon, interview accordée aux médias internationaux, dont RFI et France 24. J'ai l'honneur de recevoir parmi nous quelqu'un que je ne présente plus, que vous avez déjà connu sur ce plateau à plusieurs reprises, le professeur Aimé Avolonto. Monsieur Aimé Avolonto, bonsoir. Bonsoir, monsieur Panou. Merci d'avoir accepté cette invitation pour faire ce décryptage avec nous. À vos côtés, il y aura monsieur François Attaledi. François Attaledi, président des Émeraudes des États-Unis, un groupe supportant les activités, n'est-ce pas, du régime de la rupture. Monsieur Attaledi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Panou. Nous aurons un troisième invité, il était là il y a un instant, je crois que je l'ai perdu sur l'écran, mais je crois qu'il est toujours là. Je vais lui demander de bien vouloir activer son micro, c'est monsieur Assouma Hassani. Et monsieur Assouma Hassani, bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir Vital, je vais très bien. Voilà, c'est pour la première fois que vous passez sur ce plateau. Monsieur Avolonto et Attaledi sont des habitués, n'est-ce pas, du Zapin 229. Et puisque c'est la première fois que vous nous rejoignez sur ce plateau, je voudrais me permettre quand même de vous présenter à nos amis internautes qui vous découvrent sur ce plateau pour la première fois. Monsieur Hassani Assouma, vous êtes juriste d'entreprise, ingénieur de formation, ancien secrétaire exécutif du Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage, directeur général associé de KDI International Formation à Abidjan et
à Dakar. D'ailleurs, vous êtes en liaison en duplex avec nous depuis la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, monsieur Assouma. Est-ce que j'ai bien fait C'est votre présentation? exact. C'est C'est exact. exact. Merci à vous. Professeur Volontaire, vous êtes à Toronto, au Canada. Vous êtes professeur de langue, c'est ça? Je suis professeur de linguistique et de littérature, De linguistique et de et par littérature. accident aussi de langue. Et monsieur François Attarigui, ingénieur en informatique, je l'ai déjà présenté une fois sur ce plateau. Merci à vous trois d'être passés, d'avoir accepté, venir faire le décryptage avec nous aujourd'hui. C'est pour analyser, c'est ce qui se fait hein, dans les grandes démocraties, lorsque ceux qui ont pris l'habitude de suivre France 24, RFI, etc., savent que à chaque événement important, il y a toujours un décryptage qui se fait dans les médias sur les sorties, n'est-ce pas, des autorités. Il y a toujours cela qui se fait. Alors, nous allons commencer par prendre les bonnes habitudes chez nous, au Bénin aussi. Commencer par prendre les bonnes habitudes et commencer par faire le décryptage de chaque sortie de nos autorités, de nos responsables, parce que les choses ne vont plus se passer comme du courrier à la poste ou bien on vient, on nous sert quelque chose et puis bon, comme je me plais ou je m'amuse à le dire souvent, c'est du micro-goko, c'est-à-dire c'est des gélules, prends et puis avale. Désormais, ces sorties seront suivies par des décryptages pour que la population, on commence par l'éduquer sur ce qui a été dit de vrai, ce qui a été dit de moins vrai, ce qu'on ne devrait pas dire, parce que en fait, vous savez que nos autorités, nos dirigeants aussi, ont besoin de ce retour, n'est-ce pas, pour améliorer leurs prestations, pour améliorer leur comportement, pour améliorer tout simplement leur service de communication. Alors, merci d'avoir accepté de venir faire ce décryptage avec nous. D'abord, première question. Le jour de la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, on a tous suivi, le chef de l'État a presque tiré à boulet rouge sur la presse internationale, sur les médias internationaux. Quelques jours après, on est surpris de voir que les médias internationaux, ces mêmes médias internationaux, sont invités au Bénin pour venir interviewer le chef de l'État béninois. Quel sentiment cela vous laisse, monsieur Attarigui? Merci beaucoup, Monsieur Vital. Je voudrais finir ma présentation. Hein. Je suis non seulement ingénieur en informatique, je suis le président des Émeraudes de la diaspora béninoise, soutenant les actions du président Patrice Talon et son gouvernement, maintenant du duo Talon-Talata et leur gouvernement et son gouvernement. Donc, je pense que cette sortie médiatique, le fait que les journalistes internationaux se sont déplacés pour venir au Bénin interviewer le président, témoigne de la politique intérieure de M. Patrice Talon, parce que d'habitude, les présidents se déplacent pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en dehors de leur pays, pour aller se faire interviewer ou bien pour faire leur sortie médiatique, tel n'est pas le cas de Patrice Talon. Sa première sortie de taille internationale sur les médias internationaux, il l'a fait au Bénin, chez lui. Donc, ça témoigne de l'attachement qu'il Donc, a vous voulez dire pour par là, son monsieur pays. Attali, dit que c'était une communication à l'international, donc le président n'envoyait pas de message à ses concitoyens, c'est ça? Non, ça voudra dire que le président voudrait bien ramener les bonnes choses chez lui, Les bonnes au choses, Bénin, c'est-à-dire les médias internationaux. et voir les médias internationaux et tout ce Mais qui suit. Ce n'est pas simplement. quelques jours auparavant, il a tiré à boulet rouge dessus. Mais c'est toujours la politique. Il leur a tourné. Pourquoi ils se sont déplacés? Ça veut dire que eux aussi, ils ont intérêt, ils ont un intérêt particulier pour le Bénin. Et donc, ils trouvent que le Bénin, quand même, est en train de présenter un tableau plaisant, un tableau qui a mérité d'être déplacé, de se déplacer pour venir D'accord. s'imprégner de Monsieur Atani ce qui se Atuma, passe au la Bénin. même question à vous hein, par rapport donc, à cette invitation hein, à la presse internationale, aux médias internationaux à venir le questionner chez lui, hein, dans sa résidence privée au Bénin. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez vu l'annonce et que vous avez suivi donc, cette interview, Monsieur Asani?
Non, moi, je n'ai pas eu de sentiment particulier par rapport à cela, parce que, bon, qu'il soit interviewé chez lui, à la maison, à Paris ou n'importe où, l'essentiel pour moi, c'est le contenu du message, d'accord? Ceci dit, il y a quand même un aspect de cette interview que vous avez pointé du doigt qui m'intéresse beaucoup, le fait qu'il ait auparavant tiré à boulet rouge sur les médias à l'international et qu'il fasse appel à ces mêmes médias pour l'interviewer, ça ne pose pas véritablement de problème, mais ça montre combien parfois il peut être en contradiction de sentiments réels avec ces médias-là. Ceci dit, je me dis, le président, quand, et là je rentre un peu dans le vif du sujet, il essaye, c'est-à-dire que c'est peut-être un mal qu'on pourrait imputer à sa cellule de communication pour qu'il ne dise pas certaines choses parce qu'on est en droit de se dire que bon, voilà, il a tiré sur les médias et qu'il les a appelés. Après, on est en droit de se dire qu'il y a une petite contradiction sur dans sa politique de communication, mais ce n'est pas grand-chose. Ça ne change rien au contenu du message qu'il a fait passer. Et je crois que ce qui devrait nous intéressé ici, c'est le contenu de son Le message. contenu de son C'est message. ce contenu qu'il On en faudrait viendra au peut-être contenu du qu'on message tout à décrypte. l'heure. On en viendra au contenu du message, rassurez-vous. Mais on va s'en tenir encore à la forme d'abord, puisque je vous ai questionné sur la forme, vous deux. Je vais demander donc au professeur Volonté également de se prononcer sur la forme. Cette forme, est-ce que ça a été une mauvaise communication, une erreur de communication, que d'avoir tiré à boulet rouge sur les médias internationaux et que dans les 2 semaines, disons même la semaine qui a suivi, on invite encore ces médias internationaux à venir faire cette interview à la maison. Merci, Monsieur Panou. En fait, je vais commencer en donnant un proverbe d'abord en fond. En fait, deux proverbes en fond. On dit en fond, et je vais essayer de traduire littéralement tout de suite après. On dit en fond, ah oui, en d'abord, costudo, mais oui, on met des sous en bas. En fait, pour vos propres scrupules, c'est à vous de prendre les mesures pour les protéger. Mais encore faudrait-il que des scrupules, l'individu en ait. Patrice Talon-Lhuillier. C'est-à-dire que voilà un individu qui, dans une posture permanente de caractère totalement artificiel, en fait, lui-même, quand il se regarde et qu'il s'écoute parler, on très bien qu'il préfère ne même pas s'entendre parler parce qu'il aurait honte éventuellement parce qu'il sait qu'il est d'un artificiel mais à vous c'est-à-dire à vous réveiller un mort et il n'en est pas à son j'espère que dans le décryptage j'aurai la chance de donner un certain nombre d'exemples. Quel sentiment ça donne? D'abord, l'individu ne s'est jamais, jamais, jamais gêné pour témoigner du mépris total à ce pays-là, aux populations de ce pays. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'il est tellement en lui. Son narcissisme est d'un endémique tel que même lui-même a peur de lui-même. Patrice Talon, il faut regarder et suivre en griffe Patrice Talon à travers sa structure mentale. La structure mentale de Patrice Talon est la structure mentale d'un individu, et je l'ai dit dans une émission, mais qui souffre profondément d'un mal-être existentiel. Ce n'est pas l'argent qu'il a fait. Et cet argent, on sait tous comment il se l'est fabriqué. Et la preuve d'ailleurs qu'il se l'est fabriqué de façon tout aussi artificielle, c'est qu'il ne connaît pas la dimension douleur dans la recherche de l'argent. Parce qu'il n'a jamais, jamais pris part à aucune voie normale, légale, licite pour être où il en est aujourd'hui. Alors, sa démarche
dans le mépris de 16 médias nationaux, parce que tout au moins dans une perspective de communication, je dirais, respectueuse de l'environnement, on aurait dû associer tout au moins le média national, qui ne devrait pas par la suite récupérer des bribes et les servir. D'ailleurs, plus personne ne va écouter généralement ce média national. De sorte que, non mais, permettez-moi de finir. Allez-y rapidement, monsieur. De sorte que, en fait, il a compris son illégitimité, son illégalité et le risque qu'il court désormais sur la scène internationale. Je pointue le risque profondément légal. Vous allez voir bientôt. Vous allez voir, je vous le promets. Le risque qu'il court. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Son opération de charme est ratée, comme tout ce qu'il entreprend d'ailleurs. D'accord. On va revenir sur le fond et par rapport à si c'est raté ou pas, vous allez vous prononcer là-dessus. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai voulu qu'on se prononce sur la forme parce que ça a été quand même quelques jours auparavant les diatribes contre cette presse internationale et quelques jours après que cette presse internationale, on lui déroule le tapis rouge pour venir faire une interview. Rentrons dans le vif du sujet. Première question au chef de l'État, c'est par rapport, disons, à la forme même, hein, à l'image même de cette course présidentielle. Hein, Patrice Talon contre Patrice Talon, les journalistes lui ont posé la question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'en face de lui, il n'y avait pas de candidat qui ne faisait pas le poids? Le chef de l'État a répondu en disant ceci. Les résultats de l'élection donnent l'impression qu'en face, les candidats n'étaient pas à la hauteur. C'est une mauvaise lecture. Et il précise, en ajoutant ceci, quand un pays en si peu de temps s'est étonné lui-même, et a pu étonner le monde par ses prouesses, cela peut expliquer le score de plus de 85% lorsqu'il a été interrogé par le journaliste de France 24. De quelle prouesse parle le chef de l'État, M. Hassani Assouma? Et est-ce que, visiblement, les 86% s'expliquent par effectivement ces prouesses dont parle le chef de l'État lorsqu'il dit que le Bénin s'est étonné lui-même et a étonné le monde entier? Moi je voudrais, merci Vital, et merci à M. Atadeji et M. Abonto pour la participation. Et moi, je n'aimerais pas trop m'aventurer sur l'explication des promesses dont il parle, parce que des prouesses plutôt dont il parle, parce que je n'en vois pas, je ne sais pas de quoi il parle. Seulement que, de mon point de vue et en tant que critique, je me dis il y a fort bien prouesse dans ce sens que la plupart des gens qui étaient pour lui sont allés voter. C'est la seule explication logique que moi j'arrive à apporter à ce taux fleuve. C'était jamais passé avant. Et un président qui vient au pouvoir avec 65% et qui a fait des réformes, parce que, qu'on le veuille ou non, hein, quand Patrice Talon disait à l'époque qu'il ferait un seul mandat, moi je comprenais une chose, je me suis dit, voici quelqu'un qui va faire des réformes courageuses, qui va s'investir dans des entreprises courageuses et forcément se rendra impopulaire, et tel que lui me l'avait prédit à l'époque, et qui a quand même commencé quelque chose. Qu'on le veuille ou non, on l'aime, Patrice Talon ou pas, aujourd'hui, des choses ont changé. Des choses évoluent. Il y a une évolution certaine. À moins de vouloir rester aveugle, sinon, il y a des choses qui changent. Que ce soit dans nos tests, que ce soit dans la vie même du Béninois lambda, il y a des choses qui ont changé, positivement ou négativement. Ça dépend de là où on se place pour apprécier les choses. Les choses ont forcément changé. Et quand on a fait tout ça, qu'on a apporté du changement dans un monde où des gens sont réfractaires profondément au changement, moi y compris, forcément, on ne peut pas passer de 65% à 86%. C'est logique, c'est pas logique. Ça, c'est du point de vue logique déjà. C'est pas logique. Le chef de l'État ne pouvait même pas faire un chaos. En temps normal, il n'aurait pas pu faire un chaos.
Donc, je ne pense pas qu'il soit décent, qu'il soit opportun, qu'on apprécie le score fleuve, parce que ça, c'est un score à la Bougival. On ne peut pas l'apprécier par rapport aux prouesses. Non, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Ceci dit, il y a prouesse en ce sens que les fanatiques de talent sont sortis, sont allés voter. Maintenant, si vous voulez comparer le taux, si vous faites le ratio score de talent par rapport au taux de participation, ça va faire 0, forcément. D'accord? Ce n'est pas un bon ratio. En matière d'élection, ce n'est pas un très bon ratio, forcément. Mais nous ne sommes pas là pour apprécier, nous ne sommes pas là dans un contexte de ratio, nous sommes là pour apprécier le score par rapport au contexte. Et le contexte donne bien gagnant Patrice Talon. Et je peux dire, la seule appréciation que j'apporte, c'est que il a su mobiliser le peu de personnes qui étaient acquises quand même à sa cause pour que ces gens aillent voter. Sinon, il n'y a pas une autre explication logique à donner. C'est ça. Même si on parle de bourrage d'une, même si on parle de trucage, il y a bourrage d'une par rapport à quoi? Il y a un contexte qui est là. Évidemment, le pouvoir reconnaît que tout le monde n'a pas pu aller aux élections. Tous ceux qui avaient l'habitude de faire. Tous ceux qui voulaient aller à ces élections n'ont pas pu aller aux élections. De cette même façon-là, les électeurs ne se sont pas sentis concernés par ce qui se faisait. Sinon, jusqu'à 50% d'abstention, je pense que c'est beaucoup. S'il y avait effectivement adhésion, il n'y aurait pas eu 50% d'adhésion. Mais il y a plutôt résilience, il y a eu résignation à un moment donné. Les gens se sont abstenus d'aller voter parce qu'on se disait qu'il n'y a pas match, il n'y a pas d'enjeu. Et tant qu'il n'y a pas d'enjeu, on pourrait apprécier diversement. D'accord? Mais maintenant, le score, lui. Oui, vas-y, Allez-y, dis-moi, allez-y, très vas-y. rapidement. Voilà. Donc, le score, lui, moi, ne me préoccupe pas. D'accord? C'est la suite qui me préoccupe. Et Là, je pense que tout à l'heure, on va on arriver. va, on C'est va, on la va rentrer dans suite. ça, on va parler de ça. Monsieur Voilà, vas-y, vas-y. Abolofo, pour le chef de l'État, le Bénin s'est étonné lui-même et a étonné le monde. Et il justifie les 86%, c'est-à-dire le chaos à 86%. Il a dit sur le plateau de RFI et de France 24, il justifie ce score de 86%, plus de 86%, il faut préciser, en disant que c'est un vote d'adhésion. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes en face de. Ce n'est même plus tout simplement le vendeur d'illusions. C'est également le piètre illusionniste, en fait. Nous sommes en face de quelqu'un qui, il y a quelques mois seulement, proclamait et assumait son impopularité du fait même de ce qu'il appelle prouesse, il y a quelques mois. D'une certaine façon, je pourrais toujours lui accorder des prouesses, lesquelles par contre, les prouesses qui l'ont amené à son premier conseil des ministres le 14 avril 2016, à s'octroyer les milliards du pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le 14 avril, dans le Conseil des ministres, instruit le directeur général de la SONAPRA aux fins de régler les redevances de la réquisition conformément au décret 2014 portant réquisition des usines de la SODECO. Donc, autofinancement sur refinancement par le peuple béninois de Patrice Talon. Nous sommes dans la dynamique des prouesses, en fait, qui font que le 26 avril 2016, c'est-à-dire quelques semaines seulement après qu'il a prêté serment, et quel type de serment, déclare à la face du monde que le Bénin, son pays, est un désert de compétences. Prouesse donc d'un parjure assumé. Nous sommes dans la dynamique d'une prouesse qui suspend quelques semaines après avoir pris fonction en 2016 des organisations syndicales que le Conseil des ministres du 5 octobre 2016 sanctionnera positivement par décision
en conseil des ministres. Suspension des organisations syndicales. Syndicales, c'est ça les prouesses. Nous sommes dans les prouesses de ce qu'une cour constitutionnelle, la cour Diogbenou, le 28 juin 2018, reviendra sur des décisions anticonstitutionnelles de la cour précédente, la cour du président Olo, qui déclare que le retrait du droit de grève aux fonctionnaires est anticonstitutionnel. Nous sommes dans la dynamique des prouesses qui veut que, à chaque étape de l'expression de la douleur de ce peuple, Patrice Talon s'octroie les privilèges en mode tétanisation de tous, de faire en sorte de n'avoir jamais, un, à rendre compte, mais surtout de n'avoir jamais à compétir. Alors, de ce point de vue, des prouesses... Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire seulement de la fixation sur seulement ce qu'il y a eu de négatif en 5 ans? Je vais vous dire ce qu'il y a... C'est-à-dire, je suis un analyste. Parce que monsieur Assouma disait tout à l'heure que les prouesses, il y en a. Ça dépend de quel côté on se trouve pour les apprécier. Est-ce que vous n'êtes pas resté seulement du côté pour apprécier sous l'angle des prouesses négatives? Je vous donne des exemples qui font la vie et la vitalité d'une démocratie. Les étudiants, les organisations étudiantes, qui sont en fait les moteurs généralement, les organisations étudiantes et les syndicats sont les moteurs vivifiant en fait la donne démocratique dans un pays. Lorsque l'on veut vraiment marcher avec un peuple qui a eu cette douleur pour en arriver à, en 1990 à ce à quoi on est arrivé et qui a fait cette marche-là pendant 30 ans, je vous dis, si on veut proclamer aujourd'hui que l'on a fait des prouesses et que ces seules prouesses... Regardez bien le tableau économique de ce pays. Les grands chantiers, les poumons financiers de ce pays-là. Oui, si je vous comprends, M. Avolonto, c'est que, contrairement à ce que le chef de l'État disait, ce vote n'est nullement un vote d'adhésion. Comment alors expliquez-vous? Il n'y a même pas eu de... En fait, il n'y a même pas de réélection. Il n'y a même pas de réélection. Patrice Talon, en ce moment, est dans un vide constitutionnel, est dans un no man's land juridico-institutionnel. Pas de vous retrouver seul dans cette hypothèse-là. Vous remarquerez que jusqu'au 6 avril, je l'ai appelé président Talon. Mais en ce moment, Patrice Talon n'est qu'un individu qui a spolié, qui a kidnappé le Bénin parce que une institution juridique de niveau supérieur aux institutions juridiques du pays a décrété que les bases sur lesquelles Patrice Talon s'en va prétendre être élu ou réélu sont des bases légalement illégales et illégitimes. On va se tourner du côté de M. Attaredi pour avoir sa version. Le pays, le Bénin s'est étonné lui-même et a étonné le monde. Le chef de l'État estime que les 86%, au-delà des 86% de suffrages qu'il a obtenu dans son chaos, cela témoigne de l'adhésion du peuple, n'est-ce pas, à cette prouesse. Mais quelques mois auparavant, le chef de l'État s'est lui-même déclaré impopulaire. Est-ce que se déclarer impopulaire et parler de vote d'adhésion, est-ce qu'il n'y a pas dichotomie, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les deux terminologies, M. Attaredi? Merci, M. Panou. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de souligner deux aspects dans les propos de M. Avolonto. Mm-hmm. Le premier, il a dit que le droit de grève a été retiré aux travailleurs depuis 2016. Ça, c'est une pure économie de vérité. Le droit de grève n'a jamais été retiré aux travailleurs du Bénin. Il a été encadré. Et M. Avolonto peut me témoigner ici
que là où il se trouve au Canada, j'espère que la démocratie canadienne, qui est plus vieille que la nôtre, dans cette grande démocratie, le droit de grève est bien sûr encadré dans le pays dans lequel il se trouve. Et c'est qu'on ne peut pas faire des grèves en désordre là-bas, qu'on ne peut pas faire des grèves illimitées qu'on avait l'habitude de faire au Bénin, en mettant en danger l'éducation des enfants, wow, en mettant en danger les vies des malades qui devaient être soignés dans les hôpitaux, et en raison de grève, les gens meurent parce qu'il n'y a pas les docteurs, les infirmiers qui s'occupaient de lui. Je vais simplement m'atteler à ces deux points pour aller répondre à votre question. Pour vous dire que les 86% ou bien les plus de 86% qu'a obtenu le duo Talon-Talata lors des élections du 11 avril 2021 s'explique très bien, et le président l'a dit. Le président, en disant qu'il a fait des réformes amères et qu'il se sentait impopulaire, c'était son sentiment, c'était sa lecture de la chose, parce que pour lui, il a pensé que ces réformes amères, ces réformes difficiles allaient lui rendre impopulaire. La réalité est tout autre. Ce vote a montré que M. Patrice Talon n'était du tout pas impopulaire. Et j'ai eu à faire, l'OETB a eu à faire un reportage sur l'un de mes discours tenus pour démontrer par A plus B que le chef de l'État béninois n'était pas du tout impopulaire. Lors de sa tournée de reddition de comptes, on a vu ce qui s'est passé. Bref, si un président ou bien un duo de présidents, président, vice-président, se présente et que sa gestion de la chose publique est d'autant catastrophique, est d'autant minable, est d'autant rejetable, et qui se présente à une élection présidentielle, même si le peuple béninois n'a jamais connu son adversaire, même si son adversaire, on prend quelqu'un comme moi, François Attaléh-Di, qui n'est pas connu au Bénin, qui n'est pas connu de la politique béninoise, qui n'est pas connu de la scène politique, même si on me prenait pour être adversaire à Patrice Talon à ses élections du 11 avril 2021, si la gestion de Patrice Talon était d'autant catastrophique, comme l'a démontré M. Avoloton, je gaillerais sur Patrice Talon. Il n'aurait jamais eu 86 et quelques pourcents de suffrages exprimés. Jamais, parce que la population va voter censure. Ce sera un vote plutôt censure. On va dire, voilà, on ne connaît pas ce monsieur qui est François Attaléh-Di, on connaît, il sort de nulle part, mais monsieur qui dirigeait. Monsieur Attaléh-Di, est-ce que la censure du peuple ne s'est pas exprimée dans le fort taux d'abstention? Parce que, qu'on le dise, même lorsqu'on a, on a publié 50% de taux de participation, hein, 50% de taux de participation, c'est sans compter avec les nombreux cas de fraude dont on a eu les images un peu sur les réseaux sociaux, les votes, les bourrages d'urnes, les votes où on estampillait les bulletins de vote en série, des books, des livres de bulletins de vote qu'on estampillait. Vous avez pu voir ces images aussi. Est-ce que on aurait pu avoir les 50% si on enlevait ces cas de fraude et d'irrégularité, M. Attaléh-Di? Monsieur Pani, plus de un quelque chose béninois ont voté sur deux dans le vote du 11 avril 2021. C'est plus de 50%, c'est pas 50%.
il y a virgule 23 ou quelque chose, 37. Là, ça veut dire que... Vous parlez de... Même nous avons quand même... Là. Vous prenez en compte les votes estampillés dans ce 50% et ces deux-là de 50%. Non, j'en arrivais là. Moi, je ne suis pas habilité à me prononcer sur ces vidéos que nous avions vues sur la toile. L'institution habilité à se prononcer sur ce genre de choses, c'est la Sénat qui a donné les résultats provisoires, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné les résultats définitifs. Mais ça t'a dit, le gouvernement est monté au créneau, on a vu trois ministres, au moins deux ministres, on a vu le ministre de la Justice, on a vu le ministre porte-parole du gouvernement, on a vu le directeur de la communication. Ils ont fait une conférence de presse, ils ont fait allusion à ces vidéos qui ont circulé. L'élection a eu lieu depuis le 11 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Jusque-là, on n'a plus d'informations sur par rapport à ce qui s'est passé. On a quand même reconnu des personnes dans ces vidéos-là. Est-ce qu'il est aussi difficile de donner une suite à de ces cas de malversation et d'irrégularité dans une élection? Je dirais que je serais ravi de vous donner la réponse si j'en avais. Mais c'est une affaire juridique, judiciaire, donc c'est certainement aux mains de la justice compétente en la matière. Vous et moi, nous ne maîtrisons pas le dossier, nous ne savons pas si... Nous ne savons pas si, à l'heure où nous parlons, les enquêtes sont en cours, est-ce qu'on est en train d'interpeller les gens, est-ce qu'on est en train de faire les enquêtes, parce qu'il ne faut pas se jeter d'office sur les choses, parce qu'on a vu une vidéo circuler sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Il faut que la justice fasse son travail. Et moi, j'ai foi que ces trois ministres, avec le directeur de la communication, qui se sont montés au créneau pour décrier ce qu'on a vu et qui ont promis que la lumière sera faite sur cela. Moi, j'ai confiance en eux qu'ils ont effectivement agi et qu'ils ont confié le dossier à la justice qui va faire son travail. Merci. Monsieur Hassani Assouma, ça fait déjà quand même 2 à 3 semaines que les événements ont eu lieu. Les ministres se sont montés au créneau et ont promis, n'est-ce pas, la vérité sur cette affaire et de traduire devant la justice les personnes concernées, les personnes indélicates. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en fait cas, personne n'en parle. Même dans l'interview, le chef de l'État n'a pas pensé peut-être nous rassurer le peuple béninois sur ces cas d'irrégularité. Tout ce que le chef de l'État a fait, c'est d'expliquer encore à la presse internationale les bien fondés de ces réformes. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression-là? Beaucoup estiment, parce que j'ai échangé avec beaucoup de gens qui estiment que le chef de l'État, dans l'interview, est revenu comme encore un professeur, un pédagogue, pour nous expliquer une fois encore le bien fondé des réformes. Vous voulez qu'on parle des réformes ou vous voulez qu'on réponde d'abord à votre question? Répondez à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que ça... Si nous laissons chevaucher les questions, nous allons passer à côté de l'essentiel. D'accord. Première question que je veux vous poser. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop déjà que jusqu'à aujourd'hui, l'on ne soit pas venu, l'on n'ait pas eu la possibilité de nous dire où en est l'enquête en ce qui concerne ces cas d'irrégularité et de fraude flagrante que l'on a constaté dans d'autres dossiers? La justice a connu plus de célérité que dans ce dossier d'infraction lors du scrutin présidentiel. C'est la première question que j'aimerais vous poser. Et juste après cela, je vous relance sur ma deuxième question. D'accord. Vous savez que le gouvernement de Patrice Talon a toujours brillé par un déficit d'information. Ce n'est pas la première fois qu'on déplore cela. Est-ce pour autant la justice ne fait pas son travail? Je ne sais pas. Je saurais le dire. Mais effectivement, il serait bien, ne serait-ce que pour la légitimité même du vote et pour la légitimité du nouveau mandat que Talon Patrice s'en va entamer, que ces cas de fraude qui ont été dénoncés, des vidéos qu'on a vues ici et là,
que ces cas-là soient réglés au plus tôt et que nous soyons informés. Est-ce que ces cas sont en train d'être réglés quelque part? On ne sait pas. Mais effectivement, il y a un déficit d'information qu'il faut absolument combler. Il faut absolument combler. Et pour des questions liées à une élection aussi importante, dans le contexte aussi controversé, je crois qu'il aurait été décent, il aurait été judicieux et même préjudiciel au pouvoir de Talon qu'on communique assez abondamment sur la question, que les personnes qui ont été identifiées entre-temps soient présentées et qu'ils soient innocentées au besoin ou sanctionnées si les faits sont avérés. Monsieur Assouba, vous, en tant que citoyen et observateur, vous avez vu ces images. Hein. C'est vrai que dans tous les pays, que ce soit ici aux États-Unis, ailleurs, et particulièrement dans nos États africains, tous les scrutins connaissent des irrégularités. Mais au regard de ces images que vous avez vues, les images que vous avez vues, que tout le monde a vues sur les réseaux, est-ce que personnellement, et là, cette question, ça s'adresse à vous, en tant que citoyen, à Sani Assouma, est-ce que de votre opinion, de votre position, vous ne pensez pas que ces images jettent beaucoup plus d'irrégularités sur le scrutin? Est-ce que vous accordez de la crédibilité à ce scrutin qui s'est déroulé le 11 avril, personnellement, vous? À ce scrutin, je ne donne pas plus de crédit que j'en ai donné à d'autres scrutins. Hein. Comme lesquels, par exemple? Comme à d'autres. Au Bénin, avant celui du 11 avril. Avant celui du 11 avril dernier, oui. Je n'accorde pas plus de crédit. Hein? Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trois raisons qui me poussent à adopter aujourd'hui cette position-là. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que le vote. Et il faut voir si nous sommes vraiment préparés à aller voter, à choisir nos dirigeants. C'est la deuxième question. Ne restez pas, ne raisonnez pas hein, de par ce que vous voyez à l'extérieur. Et quand vous prenez déjà ces deux intrants, il y a un problème qui se pose. Nous allons voter pourquoi et qui va voter? Est-ce que nous sommes préparés à voter? Déjà, c'est ça. Maintenant, le vote du 11 avril, pour moi, révèle ce qu'a été toujours le vote au Bénin. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, à l'intérieur, et c'est pour cela que moi, je ne me mets pas particulièrement par rapport aux irrégularités, aux nombreuses irrégularités qu'on a pu constater, il y a eu... En fait, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes parce que vous savez tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est passé pendant le vote, c'est des choses qui sont toujours passées, mais qu'on n'avait jamais vues sur les réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, je crois que... Le pouvoir en place, ayant fait suffisamment de mécontents, certainement à juste titre ou peut-être pas, des gens même dans son propre camp, dans le propre camp de pouvoir, ont décidé de saboter l'image de ce vote-là en l'exposant. Mais ce n'est pas faux. Ce qui s'est passé le 11 avril, c'est ce qui s'est toujours passé. Sinon, déjà, pour comprendre le chaos du 11 avril, il faut aller vous expliquer déjà le chaos de 2011. Le contexte politique béninois ne permet pas un chaos. Ne permet même pas un chaos. Ça, même pour un vote juste et équitable, le contexte politique béninois, la sociologie politique béninoise ne permet même pas qu'il y ait un chaos. Ce n'est pas possible. Tant les clivages font que nous ne pourrons pas avoir 50% plus 1, tant la mentalité... Et ce qui pousse même l'électeur à sortir chez lui et aller voter. Et ça ne permet pas de faire un chaos. Mais on l'a fait. Et c'est là, déjà, il faut aller toucher ces points-là. C'est là que nous avons péché. C'est à partir de là, parce qu'on avait décidé, pour respecter un calendrier, on a décidé de faire un chaos, on a fait un chaos. C'est ça qu'il faut aller d'abord interroger. C'est cette situation-là qu'il faut aller interroger. Il faut aller en 2011, aller interroger la situation de 2011 pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 11 avril. Maintenant, le 11 avril, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai été, pendant que j'étais étudiant en 96, j'étais superviseur dans un bureau de vote où celui qui était avec moi, c'est-à-dire le deuxième superviseur, qui n'ont pas représentant de candidat, plutôt chef représentant de candidat, et mon deuxième représentant de truc, il est parti voter et il a mis le bulletin de vote
C'est celui qui n'a le deuxième bulletin qui n'a pas qui, pour lequel il n'a pas voté, il l'a mis en poche. Il est venu me montrer ça parce qu'il devait montrer ça quelque part et prendre de l'argent. Et ce monsieur que je connais très bien, Pierre, son ami, il est mort, il est décédé aujourd'hui, était quand même un monsieur que je respectais beaucoup et quelqu'un que je prenais pour quelqu'un qui comprenait le sens du vote. Moi, déjà étudiant à l'époque en 87, je savais que le vote était important et jamais je n'aurais vendu mon vote. Je n'aurais jamais vendu ma voix. D'accord? Et j'ai déjà vu ça. Mais cette situation que je vous présente, hein, qui est caractéristique même de l'électeur béninois, pose un problème, absolument. Pose un problème, absolument. Mais qu'on en arrive, je prends un exemple, hein, le député qui disait, oui, moi, seul, j'ai fait 12 carnets de 500 ou de 50, ça c'est 600 votes. Il le dit, c'est une chose qu'ils font. Et ça prouve que nous n'avons jamais voté. Nous n'avons jamais voté, c'est-à-dire que c'est la classe politique dans son ensemble qui a toujours décidé de quelqu'un qu'on porte au pouvoir et nous, on nous sort, on fait de longues files, on va voter. Et bien, en définitive, ce sont eux qui décident avant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, le démantèlement de la classe politique m'agrée. Ça peut choquer. Ce que je dis peut choquer aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, la seule interprétation logique que moi j'ai, c'est le démantèlement de la classe politique. Qu'est-ce que vous mettez dans le démantèlement, monsieur Assouma, qu'est-ce que vous mettez dans le démantèlement de la classe politique? Le fait qu'on jette des gens en prison, par exemple? Non, la prison, on ne souhaite la prison pour personne. Je ne souhaite la prison pour personne, même pas pour mon pire ennemi. D'accord? La prison, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, ceux qui... Je prends un parti, hein, je ne vais pas nommer de parti pour ne pas me faire davantage d'ennemis. Je prends un parti qui avait l'habitude avant 2016, hein, d'organiser toujours des sorties, d'haranguer les foules, de prier, de cesser de cela, d'accord? Qui aujourd'hui se retrouve dans une oisivité politique totale du fait du démantèlement. Des gens qui avaient des fiefs, des gens qui étaient propriétaires à soi ou quelque part, je sais pas, qui avaient des fiefs sur, c'est qu'ils étaient propriétaires d'un électorat, propriétaires. Vous imaginez jusqu'où on peut aller, alors que même ce qui peut pousser quelqu'un à décider de voter pour un candidat ou pour un autre doit pouvoir évoluer, doit pouvoir se muer, doit pouvoir muter. Mais on enlève ce droit de réflexion, ce droit d'analyse, ce droit de choix, on l'enlève à l'électorat et on le détient. On dit, tel là, il est propriétaire de tel fief. Nous devrions avoir honte. Monsieur Assouma, quand vous parlez de démantèlement de la classe politique, vous ne pensez pas que ce démantèlement peut être orienté, peut être à dessein, etc. Vous pensez pas qu'il peut y avoir des raisons inavouées derrière ce démantèlement? Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, vous savez, je ne peux pas, je ne sais pas, hein. Je ne cherche pas à conquérir des gens, je ne cherche pas à ramener des gens à ma façon de voir les choses. Mais je dis, hein, si j'ai 100 voleurs, parce que pour moi, cette classe politique, c'est une classe politique de voleurs, et on l'a reconnu tout à l'heure, il l'a reconnu dans l'interview. Il dit, ce qui se passait, c'est grave que chef de l'État parle comme ça, et tout à l'heure, quand on va arriver sur le chapitre, je voudrais qu'on en parle. On va en parler juste dans un instant, juste après. Qu'on en parle, parce que quand le chef de l'État même dit que les partis politiques... qu'on en parle. Monsieur Attaré dit, monsieur Assouma... Permettez que je finisse. Allez-y. OK. Bon, quand le chef de l'État dit que les partis politiques, hein, avaient des régies qu'ils contrôlaient, avaient des secteurs qu'on leur octroyait pour pouvoir permettre leur survie, je dis c'est scandaleux. Scandaleux. Le chef de l'État dans l'interview disait que tel parti c'est la régie financière de la douane, tel parti c'est la régie financière de... Croyez-vous qu'au Bénin, un parti soit financé par une régie financière dans notre pays? Le chef de l'État, a priori, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, n'a pas le droit de mentir. Quand vous mentez, c'est que vous êtes en situation de parjure. Il n'a pas le droit de mentir, il peut mentir. Non, je dis, quand il le dit, c'est suffisamment grave justement pour qu'on revienne là-dessus. Si c'était vrai, je reste dans l'hypothèse que c'est vrai parce qu'il est chef de l'État, il a plus de vues sur les choses sur nous, il a vu beaucoup plus de choses que nous. Et moi, je reste dans l'hypothèse que c'est vrai. Et si c'était vrai, d'accord, je te dis, c'est grave ce qui se passe.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Vous imaginez, avant 2016, c'était tous les jours qu'il y avait un meeting quelque part, qu'il y avait un remerciement pour y avoir ceci, cela, quelque part. Et ça s'est arrêté brusquement. Donc, il y a des gens, des chômeurs politiques qui ont été fabriqués par l'actuel régime. Et pour moi, ça m'agré. Ça m'agré. Je suis complètement d'accord. Et tant aussi longtemps que des hommes politiques se retrouveraient au chômage politique, et que des fonds qu'on pourrait prendre pour aller mettre dans des réunions politiques, dans des meetings politiques, tout ce que vous imaginez, des remerciements, des corruptions et tout le reste, tout ça là restait dans les caisses de l'État pour qu'on fasse plus de routes, qu'on fasse plus d'écoles, pour moi, ça m'agrée. Très bien. Et tant que s'il y avait ces voleurs qui géraient le pouvoir, qu'on appelait classe politique, et que des 5, il y a un qui élimine un, il ne reste que 4, pour moi, ça m'agrée. Très bien. Monsieur Assouma faisait allusion tout à l'heure au propos d'un député dont on a même entendu l'audio. On peut dire, il ne faut pas croire à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, mais quand moi, Vital, je parle et que mon audio circule, on reconnaît ma voix tout de même. Monsieur Attaredi, si vous parlez, si vous me laissez un message, sans que je n'ai vu votre numéro, je saurais que c'est Monsieur Attaredi qui m'a laissé un message. Il en est de même pour Monsieur Assouma, Monsieur Avolonto. Lorsque j'entends votre voix, même en somnolant, lorsque quelqu'un joue un audio à côté de moi, je saurais identifier que ça, c'est M. Attaredi, c'est M. Avolonto. On a cru devoir entendre la voix d'un député qui, n'est-ce pas, était fier d'avoir lui-même estampillé un certain nombre de books, excusez-moi, l'anglais rentre dans mon français, un certain nombre de livrets, de bulletins de vote. Mais pourtant, on en est fier. Est-ce qu'il n'y a pas malaise à ce niveau, M. Attaredi? Honnêtement, franchement et sincèrement, sans mettre le manteau du portail d'un régime, M. Attaredi. Monsieur Vital, le malaise, bien là, ça se trouve où? Ça se trouve de quel côté? Ce que le député a dit, oui, N'engage que lui. Vous croyez? Ça n'engage que lui. Quitte à la justice de notre pays, de jouer son rôle et d'aller vers ce député et d'en savoir plus et de mener une enquête. Je suis surpris de ce que vous venez de dire. Ce député, on suppose qu'il n'y avait pas eu un parlement monocolore et qu'il y avait des députés de l'opposition. S'il y avait eu un député de l'opposition, s'il y avait une opposition au Parlement béninois et qu'un député de l'opposition venait à tenir ce discours, vous pensez que ça aurait été resté impuni jusqu'à aujourd'hui? Non, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que le député ne devrait pas être puni. Ce qu'il a dit, Vital Panou, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, on doit le condamner. On doit condamner ce qu'il a dit. C'est condamnable. C'est pas acceptable. Si nous sommes dans une démocratie et si ce qu'il a dit est vrai, vraiment vrai. Donc, ce que j'avais dit à l'entame de mon intervention, c'est que la justice doit se saisir et faire son rôle et aller voir le député, le questionner, en savoir plus et faire les enquêtes qui en découlent et prendre les sanctions qui incombent. Donc, je ne positionne pas ou bien je n'approuve pas l'audio du député. Ce que j'ai dit, c'est que le député qui a fait cet audio est responsable de ce qu'il a dit. Et ça n'engage, selon moi, ça n'engage que lui. Maintenant, ça revient à la justice de prendre ses responsabilités. J'attends toujours la justice, j'ai compris. Voilà. Donc, si tu me permets quelques secondes, je vais dire quelque chose avant de te laisser. C'est que les 86% de suffrage, tu m'avais coupé quand je parlais, donc les prouesses de Patrice Talon, ça s'explique, ces 86%, puisque j'avais dit que si c'était vous ou bien moi qui se présentait devant Patrice Talon et que sa gestion était catastrophe, désastreuse, la population devrait faire votre censure et le choisir au détriment de Patrice Talon. Tel n'est pas le cas. Ça veut dire que c'est vraiment un vote d'adhésion. Et ça s'explique par l'électricité que Patrice Talon a donnée à la population, l'eau potable
que Patrice Talon a donné à la population, particulièrement, permettez-moi de mettre l'accent sur le département des collines d'où je viens, d'où M. Avolonto vient. Le département des collines est ce département qui a été laissé pour compte pendant des décennies. Le département des collines n'avait pas d'eau potable. C'était à dessein, je ne sais pas, mais le département des collines était le département reconnu comme étant le département des bidons jaunes et des bidons rouges, que les femmes, nos femmes trimbalaient à des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Le département des collines, alors nous parlons à d'eau potable. Il y a l'électricité, il y a les routes qui sont construites, il y a l'asphaltage, il y a les cantines scolaires qui ont donné, les enfants mangent à l'école, et ce qui faisait que les parents d'élèves n'envoyaient pas les enfants à l'école, mais les enfants refusaient d'aller à l'école, c'est que quand ils vont à l'école, ils sont à jeun, ils reviennent à la maison et il faut chercher à manger. D'abord, les enfants mangent à l'école à leur faim. Ils sont pressés même d'aller à l'école. Les marchés modèles qui sont en train d'être construits, les terrains de sport, dans presque toutes les communes, quand même, quand la population a senti, a vu avec ses yeux, et quand la population peut toucher de ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire pour elle, elle avait d'autres choix que de choisir l'homme qui est à la base de tout cela, son Excellence, M. Patrice Talon. C'est pourquoi les 86%, moi je ne m'étonne pas par rapport à ce vote de 86% qui a été exprimé en faveur du duo Talon Talata. C'est logique si on veut être honnête. Et parce que si vous posez la question à vos amis qui étaient et qui venaient de Cotonou il y a longtemps, ils vont vous dire que pas Patrice Talon, mais j'aime bien sûr ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Bien sûr, ils le disent. Beaucoup le disent. Beaucoup de mes amis le disent. Monsieur Avolonto, je vous ai vu secouer la tête tout le temps. Je ne vous ai pas donné la parole depuis. Alors, je vous laisse réagir sur ce que vos deux vis-à-vis ont dit. Et très, très rapidement, ne soyez pas très long parce qu'on va aborder un autre aspect de cette interview. Il y a beaucoup d'aspects de cette interview qu'on doit aborder. Donc, je vous demanderai d'être très, très, très succinct dans la réaction que vous aurez sur le propos respectif, puisque je vous ai vu secouer la tête. Mais, monsieur Palou, là, vous me privez de mes droits. Non, vous avez laissé. Il y a encore des développements à faire. Il y a encore beaucoup de points de développement. D'accord. En fait, je ne veux pas être désagréable, surtout pas vis-à-vis des jeunes frères que j'ai en face de moi. Mais à les écouter, j'ai tendance à être d'accord avec Patrice Talon sur un point. C'est que la bouffonnerie au service de l'ego d'un individu et la mythomanie de service, en fait, ont trouvé vraiment le nid sous le régime de Patrice Talon. Et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais rebondir d'abord sur... Je me suis dit que j'allais éviter la chose, mais je vais rebondir sur ce que M. Attadéji dit, et je ne sais pas si il s'est écouté lui-même ou s'il s'écoutait lui-même. Il a parlé de vote d'adhésion, alors qu'il était lui-même celui qui a dit en fait que ceux qui sont allés voter sont en réalité les partisans de Talon. Alors, si ceux qui seraient sortis pour aller voter sont les partisans de Talon, eh bien, il n'y a plus en réalité rien d'autre à attendre qu'un vote en faveur de Talon. Mais en réalité, vous avez vu dans des bureaux de vote, dans presque la plupart des bureaux de vote, des gens qui se tournaient, des agents de bureau qui se tournaient les ongles, qui s'ennuyaient et qui l'ont reconnu. 50% de 5 millions d'électeurs, ça fait 2 500 000 individus qui, normalement, devraient être sortis selon les chiffres avancés. Et puis bon, enfin,
les techniques de prouesse mathématique de la Cour Diogbénou, de la Sénat, etc. On les connaît maintenant. Donc, ce n'est même pas la peine de s'y attarder. Mais dans le Bénin, aux prouesses de Patrice Talon, c'est tellement gros les prouesses que c'est plus facile d'attraper les terroristes et les blanchisseurs de capitaux que de faire une simple lumière sur des faits dont on a des éléments probants, des faits de, mais de tricherie immonde, 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 dont on a des, avec confession même de gens, de députés, qui disent que oui, ils l'ont fait et que, qu'ils ne soient pas inquiétés jusqu'ici. Dans le Bénin de la lutte contre la, la prédation, dans le Bénin de la lutte contre la corruption, dans le Bénin de la lutte contre l'impunité, parce que ce sont tous des mots que Patrice Talon a alignés dans son interview. Dans ce Bénin-là, où nous avons ces éléments probants, eh bien, c'est impossible de faire la lumière et de prendre le temps de faire la lumière avant de venir maintenant faire sa représentation théâtrale de proclamation de résultats avec les chiffres. En réalité, c'est presque même inutile, sincèrement, c'est presque inutile de se pencher sur la chose parce que, à part la dilapidation de nos fonds pour laisser croire à une campagne, à part la dilapidation de nos fonds pour une organisation aussi, aussi malheureuse de quelque chose qui n'en est pas, eh bien, seul Patrice Talon lui-même se fouette l'ego avec ce qu'il a organisé. Et on parle d'électricité, d'eau, etc. Je vais vous dire, la semaine dernière à Porto Novo, c'était à peu près 3 jours d'affilée de coupure. À Calavi, 3 jours d'affilée à Calavi. Et on vous parle de zones, en fait, de zones périphériques de Cotonou, à Cotonou. Des coupures d'électricité. En réalité, ça peut être accidentel, monsieur, à volonté. C'est plus récurrent. C'est plus récurrent comme sur les terres. Ah, d'accord. C'est plus récurrent. J'ai financé des recherches sur le terrain avec un jeune avec qui je fais de la recherche de politique africaine qui a sillonné toutes nos communes. Et je vais vous dire, c'est même pas la peine de vouloir révéler, du moins pas pour l'instant, ce que nous avons remarqué sur le terrain. C'est honteux, c'est douloureux d'entendre Patrice Talon venir dire qu'il a fait quelque chose dans le sens de fournir de l'électricité, de fournir de l'eau aux populations. Vous ne voulez pas reconnaître l'effort de ce gouvernement en matière de... Je vais vous parler d'effort. Je vais vous parler d'effort. L'État parle, Je vais vous parler d'effort. En fait, à entendre certains, je me dis, voici des gens dont les femmes ont été violées outrageusement, outrancièrement, et qui viennent défendre le violeur de leur épouse en disant « Oh, mais quand même, il ne les a pas tuées, nos femmes. » C'est le sentiment, en fait, que j'ai. Dans ce « quand même », regardez tout ce que Monsieur Avolonto, comme on le dit en langue de chez nous, avodje kento hon enak pa hon minyak pa togan do energy si niveau aye. Donc, Avolonto, hode de hon eni do de bon hon
azodé bou effort de bou do fin bon mi moro et changement de par rapport nous il y a de cela 5 ans on mi de la mi mon changement de bou do Emilia. Je ne suis pas, je suis très, vous me connaissez personnellement, Monsieur Panou, et vous savez combien je suis très rigoureux vis-à-vis de moi-même. Je ne suis pas l'homme d'un à peu près. Je suis l'homme d'une exigence, non seulement morale, une exigence de résultat. Mais est-ce que cela était possible en 5 ans, ce dont vous parlez là, le résultat que vous voulez obtenir là, même mais si il vous... il n'y a pas de résultat, mais pas volontaire. Si on vous mettait là, est-ce que auriez-vous pu avoir un résultat pour juguler la crise énergétique en 5 ans, honnêtement? Juguler la crise énergétique avec, dans ses pattes, Barthélémy Cassa. Juguler la crise énergétique avec... Dans... Monsieur Panou. C'était une parenthèse. On va évoluer dans ce débat. Et puis, Monsieur Assouma, tout à l'heure, a d'ailleurs évoqué l'aspect. Le chef de l'État, dans son interview, disait ceci. Le Bénin était devenu l'otage de la classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Il est revenu, en fait, une autre fois pour dire que le Bénin était un pays de mafieux et de trafiquants de drogue. J'ai suivi le chef de l'État pendant toute l'interview. Au moins à 3 reprises, il a fait allusion aux trafiquants de drogue. De plusieurs échanges que j'ai eus, beaucoup estiment que le chef de l'État n'a pas été décent en rappelant toujours ou en utilisant toujours l'expression trafiquant de drogue, qui fait penser à son faiseur de roi de 2016, devenu subitement son adversaire en moins de 8 mois. Et certains estiment que c'est la même erreur que le président Nicéphore Soglo avait commise à l'endroit du président de son prédécesseur Mathieu Kérékou, en voulant toujours le peindre en noir jusqu'à le peindre en noir au sommet de la francophonie. Monsieur Assouma, est-ce que vous n'estimez pas que le président Patrice Talon a voulu trop faire de la fixation sur les trafiquants de drogue, les mafieux qui avaient tenu en otage la politique béninoise, alors que lui-même, pendant pratiquement 25 ans, 30 ans, a été un acteur non moins important de cette classe politique? Et il a reconnu jusqu'à aujourd'hui. Se retrouve-t-il parmi les mafieux et les trafiquants? Non, cher ami, je crois qu'il faut, savoir faire la part des choses. Moi, d'office déjà, j'ai dit, l'interview même du président de la République n'a pas été bien préparée. Ça n'a pas été bien préparé parce qu'il y a eu beaucoup de politique faute, il y a eu beaucoup de fashion faute, il y a eu beaucoup de choses qu'on pourrait reprocher à cette interview. Ça, c'est pour ce qui concerne la forme, d'accord? Le chef de l'État n'avait pas à parler même des procédures en cours, il n'avait pas à en parler. C'est pas de son ressort, c'est pour sa catégorie. C'était pas souhaitable. D'accord? Mais il a fait. Voilà, on va continuer. Ça, c'est pour ce qui concerne la forme. Mais dans le fond, je ne pense pas qu'il ait fait effectivement une fixation sur Sébastien Adiavant. Non, pas du tout. Quand il parlait, moi, je l'ai suivi 3-4 fois depuis lors. Ce n'est pas les 15 minutes que les gens ont fait circuler. J'ai suivi toute l'interview qui fait 1 heure, 3-4 fois, pour avoir plus d'éléments. Pour mieux comprendre, d'accord? Autant je reproche à l'interview d'être un peu vaseuse, d'être un peu large, un peu fleuve, autant je dis, il y a tellement de choses pertinentes qu'il a dévoilées que nous n'aurions pas su de notre position d'observateur, de notre position de citoyen lambda. Comme quoi, qu'il a fini par la lever. Comme quoi, par exemple? Tout à l'heure, j'évoquais le cas de comment fonctionnaient les partis politiques au Bénin. Je n'ai jamais su que c'était comme ça.
Par contre, il y a une chose que je savais, monsieur, et ça, je fais le témoignage ici. Monsieur Hassani Assouma, vous saviez comment les partis politiques fonctionnaient. On sait qu'il y a toujours des machines à sous qui faisaient fonctionner les partis politiques. On a un député qui... Non, moi, je ne savais pas. Il a lui-même recevoir 400 millions, n'est-ce pas, d'un opérateur économique. C'est la façon dont, comment dirais-je, les partis politiques fonctionnaient. Maintenant, que l'on vienne dire ça aujourd'hui, que l'on vienne présenter une autre image de cette... Monsieur Vital Panou, ce n'est pas pour ce... Choqué. Monsieur Vital Panou, soyez choqué, d'accord? Mais retenez que moi, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je pouvais soupçonner, je n'avais pas la certitude. Aujourd'hui, j'en ai la certitude parce qu'il s'agit de la parole du chef de l'État. Et moi, de mon éducation, quand le chef de l'État parle, ça ne peut qu'être la vérité. Parce que le jour où je suis chef d'État, et Inch'Allah, je le serai, quand je vais parler, il n'y aura rien à dire. D'accord? Alors, vous avez toujours donné le 100% crédit aux propos des chefs d'État, c'est ça? Donc, jusqu'à aujourd'hui. Non, vous n'avez pas été déçu par rapport aux propos tenus par un chef d'État? Non, on risque de dévier si on doit aller comme ça. D'accord? Tenons-nous-en aux propos du chef de l'État, c'est ce qui nous retient aujourd'hui. Je dis, moi, je suis choqué d'entendre ça, et je dis, mais j'ai plus de raisons aujourd'hui à vouloir le démantèlement de cette classe politique, parce qu'une classe politique, un parti politique ne devait pas fonctionner de cette façon-là. Est-ce que ce qu'il dénonce là est d'une gravité tellement féroce que n'importe qui doté d'une jugeote devrait pouvoir condamner cela avec véhémence? Ça, c'est pour ce qui concerne les partis politiques. Maintenant, pour ce qu'il dit, c'est pas faux. En quoi c'est faux? En quoi est-ce que, en disant qu'il y avait des trafiquants de drogue qui se cachaient pour pouvoir bénéficier d'une immunité parlementaire ou bien qui se mettaient dans les castes politiques pour pouvoir échapper à la justice? En quoi c'est faux? Nous sommes tous venus, nous savons, nous les connaissons, on peut même les nommer. Moi, si aujourd'hui j'en suis venu à ne jamais faire la politique, parce que je n'ai pas fait la politique, et je ne sens même pas. Les rares fois que quelqu'un a pu m'appeler homme politique, ça m'a choqué. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans la politique et on ne les reconnaît pas. On se dit, mais ces gens-là ne peuvent même pas prétendre diriger un pays ou ne peuvent même pas prétendre parler au nom de l'autre pays. Et c'est ce qu'ils dénoncent. Vous savez quoi? Patrice Talon? Oui. Monsieur Hassani Assouma, ceux-là dont vous parlez là, qui vous répugnaient tant au point où vous n'aviez même pas voulu faire la politique, vous pensez qu'ils ont, ont disparu de l'échiquier politique aujourd'hui? Non, ils n'ont pas disparu. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait aujourd'hui, là, j'espère que ton plateau pourra me permettre de mieux me faire comprendre. Parce que je le dis souvent, mais beaucoup n'arrivent pas à l'intégrer. En réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que d'abord, je les mets tous sur le même piédestal. C'est tous des voleurs. C'est tous des voleurs. Quand vous les prenez, que ce soit mouvance, opposition, c'est tous des voleurs. Je parle de ce principe, c'est un postulat que je pose. Et je dis, je ne sais pas par quelle lumière il y a un des voleurs qui décide de tuer les autres petits voleurs. Les autres petits voleurs. S'il y avait 100 voleurs qui volaient chacun un franc, ça fait 100 francs de voler. Il y a un voleur qui commence à tuer, qui tue, il y a 10. C'est 90 francs de voler. Il y a 10 francs de non-volés qui peuvent servir à quelque chose. Moi, c'est tellement terre à terre dans ma tête. Et je me dis, comment est-ce que, regardez, aujourd'hui, allégorie, la classe politique est telle que... Monsieur Assouma, si je vous prends sur cette même allégorie, comment avez-vous la preuve que ce voleur qui tue 10 autres voleurs, lui n'empoche pas il ne devient pas receleur de ce que les 10 auraient volé s'ils étaient encore en vie? Je parle du principe que moi, mon combat, c'est contre la classe politique. Parce que du point de vue éthique, du point de vue pratique, du point de vue même bon sens, il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. C'est ça en réalité, parce que nous focalisons sur tout ce que Patrice Talon fait, nous focalisons sur le pouvoir de Patrice Talon, alors que la gangrène est plus profonde. Le truc, la politique a atteint des limites inimaginables dans notre pays. Et c'est ça d'ailleurs, et même l'arrivée de Talon, Patrice, est la résultante des limites que nous avons atteintes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut intégrer aussi. Aujourd'hui, je dis, s'il ne tenait qu'à moi, d'accord? Un militaire prend le pouvoir, il les met tous en prison, on n'en parle plus. S'il ne tenait qu'à moi, d'accord?
Aujourd'hui, la chose n'est plus possible, ce n'est plus faisable. Si parmi eux, ils peuvent se catapulter, tant mieux. Pourquoi vous voulez pleurer pour eux? Pourquoi est-ce que vous voulez pleurer pour eux? Moi, quand on me dit, Talon a changé les tests, si aujourd'hui, Talon décide de changer les tests pour qu'il n'y ait plus de vote, ou bien qu'il change les tests et que désormais, ce soit l'Assemblée qui choisit ce président, je dis, c'est tant mieux. Je dis, c'est tant mieux. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. C'est mon ressenti d'aujourd'hui, ça. Je peux avoir tort hein, par rapport à l'application des choses, mais autant vous voyez, j'ai dit que son speech manque de diplomatie, son speech manque d'autorité, mais autant je dis, mais le monsieur n'a dit que la vérité. Bon Dieu, il n'a dit que la vérité. Je me suis retrouvé entièrement à travers tout ce qu'il a dit. Vous, vous me direz de votre position aujourd'hui que vous ne voyez pas les trafiquants de drogue intervenir en politique. Vous ne voyez pas des gens qui ont carrément tué des banques dans notre pays. Nous ne sommes pas si jeunes, quand même, c'est 50 ans. Ils ont tué carrément des banques dans notre pays, dirigent les institutions de notre pays. Vous pensez que c'est normal? Ceux qui ont tué les banques sont toujours là, non? Ils sont toujours aux affaires. Non, vous savez quoi? Il y a une réforme de Patrice Talon qui m'a beaucoup plu. Et cette réforme, elle n'est peut-être pas écrite, mais elle a été, nous l'avons vécue. Il y a quelque chose qui m'a tellement plu. Ne pas avoir une assemblée, même si aujourd'hui on l'appelle assemblée fantôme ou Godio, tout ce que vous imaginez, où il n'y a pas Amoussou Bruno, où il n'y a pas Adrien Mbedi, il n'y a pas... Vous pensez que moi, ça ne me plaît pas? Voici des gens qui ont vécu sur le dos du peuple pendant 30 ans et plus. Depuis la démocratie, là, c'est des gens qu'on voyait à l'Assemblée. Et aujourd'hui, on ne les voit plus à l'Assemblée. Vous ne pensez pas que c'est beau? Vous ne savez pas reconnaître ce qui est beau? C'est pas beau, ça? Ça vous donne une chance à vous. Ça vous donne une chance. Et même si la chance ne nous était pas donnée à nous, là, monsieur, elle est donnée à nos enfants. Vous ne les voyez pas à l'Assemblée. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas toujours aux manettes. Il y en a qui décident toujours de qui peut être président de la République. Parce que c'est les parrainants, c'est eux qui les livrent et qui les signent. Le simple fait qu'on les mette en back office, pour moi, c'est beaucoup. Le simple fait qu'on les sorte du front off, d'accord, qu'on les mette en back off, pour moi, c'est beaucoup. Qu'ils soient en back off, c'est déjà beaucoup pour moi. Imaginez une assemblée sans Adrien Mbedi. Est-ce que vous l'auriez imaginé il y a 10 ans? Une assemblée sans Bruno Amoussou, vous l'auriez imaginé? Sans Idi Kola Olé, vous l'auriez imaginé? Aujourd'hui, ce qui se fait là, je ne sais pas si je peux rentrer dans la tête de Talon ou de je ne connais pas ses vraies intentions, mais je dis, il y a des gens que j'ai connus trop petits, que je continue de voir. C'est pas normal. Moi, je suis proche de la retraite. On va évoluer dans... Moi-même, je suis proche de la retraite aujourd'hui, et ces gens-là que moi j'ai connus quand j'étais enfant continuent d'officier dans le pays. Vous trouvez que c'est beau? Allez, on va continuer dans ce décryptage. Hein. Je vais vous inviter à suivre ce court extrait donc, de l'interview du chef de l'État. Le panel a été instauré pour permettre que les candidats aux élections présidentielles, ceux qui sont des potentiels dirigeants de la République, relèvent d'un parti politique, d'un grand ensemble politique. Que quelqu'un ne vienne pas, comme c'est l'habitude au Bénin, venir avec des valises d'argent, que l'argent provienne de la drogue, du crime, de la corruption ou pas, viennent de nulle part, acheter les électeurs comme nous avons l'habitude dans le pays, devenir président. Donc, on a voulu, la classe politique, que le parrainage soit un moyen pour les partis politiques de porter des candidats et de répondre de leur capacité, de leur moralité. Ils ont dit parrainage jamais. Le parrainage, ça existe dans d'autres pays. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Ils disent ils n'iront jamais aux élections avec le parrainage. Monsieur Ivor, dont vous parlez, parlons-en. Et même plus que ça, Ricky Amadougou, je sais que vous allez en venir, voilà. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Et pourtant, depuis 3 ans, la réforme au Bénin, c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans les partis politiques et que ce soit les partis politiques qui animent la vie politique et qui portent les candidats. Ils n'ont aucun parti politique. Alors, on revient ici, n'est-ce pas, sur le plateau pour faire le décryptage de ces propos du chef de l'État. Joël Aïvo et Ricky Amadougou ne sont dans aucun parti politique. Ils n'ont pas de parti politique. Et pourtant, dit le chef de l'État, depuis 3 ans, la réforme au Bénin
c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans les partis politiques. C'est ce que le chef de l'État dit. Il dit, pourtant, depuis 3 ans, la réforme au Bénin, c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans les partis politiques. Il termine en disant, ils n'ont aucun parti politique. Alors, ils ne sont pas qualifiés pour être candidats. Il a dit, Ricky a débarqué de nulle part avec des valises, des mallettes d'argent. Mais la question que j'ai envie de vous poser, M. Attaredi, Patrice Talon, il est dans quel parti politique? Mais merci beaucoup, M. Panou. J'espère que vous n'allez pas me couper dans mon intervention. Non, soyons succincts. N'allons pas dans Allons droit au but. Patrice Talon a été porté par... N'avait pas répondu à ma question. Je demande, Patrice Talon est dans quel parti politique? Est membre de quel parti politique? Parce que moi, je prends le chef de l'État. Jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas la preuve que Patrice Talon appartient ou n'appartient pas à un parti politique. Excusez-moi de vous interrompre en cet instant, M. Attaredi. Alors, pourquoi le chef de l'État exige que Joël Ahivor et Ricky Amadougou soit membre d'un parti politique, encore que pour Ricky Amadougou, semblerait qu'elle est membre du parti Les Démocrates. Pour Joël Ahivor, je n'en sais pas. Mais pourquoi le chef de l'État leur tient rigueur de ne pas être membre d'un parti politique et d'avoir des intentions pour devenir chef de l'État? Est-ce que la Constitution... Laissez-moi vous poser la question, M. Attaredi, si vous voulez bien avoir l'amabilité. Est-ce que la Constitution fait obligation à un citoyen qui veut devenir candidat à la présidentielle d'être membre d'un parti politique? Je vous répondrai non. Nulle part dans la Constitution. Et pourquoi le chef de l'État veut l'exiger de ses adversaires? Il faut savoir lire le message du chef de l'État. Dites-moi de quoi. Je vais vous le dire. Il faut savoir le lire parce que ce qu'il a dit a pleinement de sens. Quand je prends Ricky Amadougou, puisque si vous continuez cet élément que vous avez passé, vous allez voir par la suite que le président a dit que le président des démocrates, M. Éric Ouroumété, Laissons cela de côté. Laissons le président des démocrates de côté. Prenons, je peux vous rejouer la vidéo. Moi, j'ai réécouté ça plusieurs fois. Joël Ahivor et Ricky Amadougou ne sont dans aucun parti politique. Ils n'ont pas de parti politique. Point. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il poursuit en disant, et pourtant, depuis 3 ans, la réforme au Bénin, c'est que ceux qui veulent faire la politique s'engagent dans les partis politiques. Ils n'ont aucun parti politique. D'accord, si on veut faire la politique, on peut s'engager dans un parti politique, mais il n'y a aucun test qui fait injonction à un citoyen qui a envie de devenir président de la République d'être militant d'un parti politique. Ça n'existe nulle part dans nos tests. C'est un mensonge, je vous avais répondu que non, ne pas dans notre constitution, c'est mentionné qu'on doit être forcément membre d'un parti politique. Quelle est la faute de Joël Ahivor? J'en venais. Cependant, dans un même parti politique, dit les démocrates, un parti politique se réclamant de l'opposition radicale, de la vraie opposition, qui en son sein a été incapable de dégager un duo consensuel pour aller aux élections présidentielles. Dans un même parti politique, où nous avons plus de 3 duos qui se sont dégagés d'un même parti politique.
vous pensez que ces gens-là sont membres de ce parti politique? Mais vous pensez que ces membres-là ont été portés, ces gens-là plutôt, ont été portés par ce parti politique? Soyons sérieux. Un instant, hein, ce que vous venez de dire là, c'est une aberration grave. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est une affaire de famille, dans ce parti. Laissez-moi vous expliquer ce que je vais vous dire. Monsieur Attardé dit, dans ce même... Laissez-moi vous expliquer. Vous savez que dans ce même Bénin, dans les partis d'obédience de la rupture du régime en place, les gens ont eu des difficultés pour choisir les maires lors des municipales passées. Dans les deux blocs du chef de l'État, qui a eu des voix discordantes dans ces deux blocs-là, dans les choix des maires, dans les élections, lors des municipales passées. Vous savez ce qui a abouti à la suspension de M. Abim Bola de son parti politique. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, ne pensez pas, il ne faut pas dire qu'ils ont été incapables, même s'ils ont été incapables de désigner un seul duo, d'avoir le consensus. Est-ce que vous pensez que dans un parti politique, tout le monde doit faire l'unanimité? Alors, si on fait l'unanimité, si l'unanimité, là, le consensus, d'accord, mais l'unanimité, ce n'est pas possible. Cela n'existe pratiquement nulle part, si vous voyez. Mais est-ce que laissez-moi vous poser la question, laissez-moi vous reformuler la question. Je ne vous coupe pas, j'essaie de vous relancer sur la question. Parce que ce que vous voulez me dire, ce que vous essayez de m'expliquer, c'est que le chef de l'État a raison de dire que Rick Yamadougou et Joël Aïvo n'ont pas de parti politique parce que les démocrates n'ont pas pu faire le consensus sur le choix d'un duo. Est-ce que ça, c'est judicieux? Et je n'ai pas fini mon intervention. Je vous donne rapidement une minute pour finir votre intervention. Je n'ai pas fini, vous m'avez coupé au bon milieu. Allez-y donc. Voilà, laissez-moi s'il vous plaît. Donc, selon vous, en tant que Vital Panou, c'est normal qu'à la veille d'une élection présidentielle, un individu débat, n'est-ce pas, à la veille d'une élection présidentielle dans un pays démocratique, un individu débarque avec des valises d'argent. Cet individu... Il vous a montré les valises à vous. Je suis responsable de mes propos, Monsieur Vital. Je suis responsable de mes propos. Cet individu n'est... qu'une conseillère d'un chef d'État dictateur. L'individu quitte un pays dictatorial, quitte auprès d'un chef d'État dictateur qui est à son quatrième, je pense, ou bien cinquième mandat à la tête d'un État, et qu'il a remplacé son père qui a fait 30 ans et quelques à la tête de cet État, notre compatriote, conseillère d'un président dictateur, vient dans un pays démocrate pour venir faire la leçon de démocratie à qui? À toi, en tant que Béninois, tu aurais cru à ces paroles? Moi, non, parce que Rekia Madougou, je vais vous dire une chose, le parti qu'elle est démocrate a fait une grave erreur politique dans ces élections du 11 avril 2021 en voulant imposer de force ou bien en voulant succomber au charme de l'argent en sortant Rekia Madougou de nulle part pour venir et briguer la magistrature supérieure. C'est la même erreur que Yaïboni a faite, c'est la même erreur que Yaïboni a faite en sortant des nuages M. Lionel Zissou, inconnu de la scène politique béninoise, qui n'a pas eu le consensus autour de la SCDE et qui l'a présenté aux élections présidentielles de 2011. Y a-t-il pas d'autres politiciens, d'autres béninois de taille dans ce parti FCDE pour représenter ce parti au présidentiel de 2011? Est-ce qu'on a besoin d'aller prendre Lionel Zissou pour venir mettre comme premier ministre et quelques mois plus tard le désigner comme candidat? Ça,
a donné le résultat que ça a donné. Et quand on fait des erreurs monumentales, de ces erreurs monumentales en politique, on finit toujours par récolter des mauvais résultats. Et c'en était les résultats mauvais, dramatiques du Parti des démocrates. Monsieur Hassani Assouma, par rapport au grief du chef de l'État à l'endroit de Joël Ayivo et d'Éric Yamadougou, qui il leur reproche de ne pas être d'un parti politique et voit de mauvais œil leur candidature. Quelle était votre lecture? Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Ça fait partie des erreurs politiques que j'ai relevées dans l'interview. Déjà, qu'Éric Yamadougou soit positionné par son parti, ou que ce soit Joël Ayivo qui ne soit pas membre d'un parti, qui soit positionné par un parti, ne devait même pas être le débat. Et je ne pense même pas que les griefs se situent là. Et là, je blâme la chaîne de communication du chef de l'État qui n'a pas préparé l'interview avec le président de la République avant que cela ne se produise. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, si la Constitution, je n'ai pas une connaissance exacte des tests, mais si la Constitution ne l'interdit pas, si l'achat des partis ne l'interdit pas, si le code électoral ne l'interdit pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait faire partie des grèves portées. Ceci dit, je dis, s'ils n'ont pas reçu l'adhésion de la Sénat pour participer à la course du fait qu'il ne remplissait pas toutes les conditions du code électoral, je dis c'est tout à fait normal qu'on les rétorque. Ils ont été rétorqués simplement parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Le chef de l'État n'aime pas cette expression. Pardon? Le chef de l'État n'aime pas cette expression. Il a relevé ça lors de l'interview. Bon, mais attends, en tant que juriste... Il y a un linguiste parmi nous, il y a un linguiste parmi nous, il y a un professeur de linguistique parmi nous, il pourra nous dire si cette expression est appropriée dans cette... Dis qu'ils ont été rétoqués, d'accord? Et s'ils ont été rétoqués du fait d'absence de pièces nécessaires pour être à jour vis-à-vis de l'élection, d'accord? Je dis, tant mieux, c'est tant pis. Mais maintenant, le chef d'État n'avait pas à revenir là-dessus. Selon moi, ce n'est pas lui. Il ne décide pas. C'est, en fait, même dans l'interview, on a l'impression que c'est le chef de l'État qui donne des ordres maintenant à la Sénat ou aux institutions. C'est l'impression que ça laisse. À dire des choses comme ça, c'est l'impression que ça laisse. Alors que, d'un point de vue purement institutionnel, il pourrait dire, bon voilà, ils ont été candidats. Et non, ils ne doivent même pas objecter, ils ne doivent même pas opiner sur le fait qu'ils aient été recalés. Ce n'est pas le parti de Salon qui a la Sénat. Ce n'est pas lui qui a la Cour suprême, ce n'est pas lui qui a la Cour constitutionnelle. Il n'est pas la tête de ces institutions-là qui sont autonomes, qui ont un test qu'ils appliquent. Mais là, qu'est-ce que vous reprochez en définitive au fait qu'on ait retoqué leur candidature? Est-ce que parce que le parti de Salon n'a pas voulu qu'ils soient allés aux élections? Ou c'est parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions qu'ils soient allés aux élections? Moi, je pense que là, c'est en fait le débat. C'est le débat qu'il faut faire. Laissons les erreurs de communication de Patrice Talon, laissons-les de côté et allons au fond du dossier. Dans le fond, quand il dit ils ne sont pas membres d'un parti politique, je dis ils ne sont même pas sérieux. Moi, je n'aurais pas été aux élections. Et Vital, pardon, tu sais que moi, j'ai toujours dit vous n'avez pas besoin d'aller aux élections parce que les conditions sont telles qu'on dit il faut être parrainé pour aller aux élections. Pour être parrain, il faut être soit maire ou député. D'accord? Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député. Pourquoi vous voulez être candidat? Pourquoi vous voulez être candidat et maintenant appeler à ce que le chef de l'État décide qu'on vous donne le parrainage? C'est même ça qui ne serait pas sérieux. Si, de mon point de vue, par rapport à la pertinence du combat que je reconnais à Joël Ayivo ou à Éric Yamadougou, je ne veux pas opiner sur le fait qu'elle soit conseillère d'un dictateur. Moi, je ne connais pas les dictateurs. Je ne connais pas, vraiment pas de dictateur. Okay? Ce n'est pas ça que moi, je voulais relever ici. Mais si on leur avait même donné le parrainage, ça aurait été une faute. Ça aurait été un match amical. Ils ne peuvent pas avoir de parrainage. Parce que justement, on sait comment fonctionnent les partis politiques et on sait comment est-ce que
la consigne qui a été laissée aux partis politiques dans le cadre de ces élections-là. Monsieur pourquoi est-ce qu'ils peuvent aller demander le parrainage? Ils ne dépendent pas aux élections simplement. Monsieur Avolantor, vous allez réagir là-dessus. D'abord, oui, vous allez réagir là-dessus. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans cette parenthèse. Je voudrais ajouter une chose. Allez-y. Je voudrais ajouter une chose. La suite du processus m'a choqué personnellement, surtout venant du professeur Aïvon, qui, après avoir déposé son dossier pour être candidat, et après avoir suivi tout le processus conformément au code électoral, parce que justement, il est allé se présenter dans un duo, je crois, avec quelqu'un, je ne sais plus trop si c'est Moïse Kérékou ou Modeste, je ne sais pas de qui des deux Kérékou était son colistier. Dans le cadre d'une élection. C'est très vite fait de faire une erreur en voulant parler de Modeste et de Moïse. Hein. Ça peut arriver très rapidement, comme on en a déjà connu. Oui, voilà. Je pense que c'est Moïse. Hein. C'est le plus élancé là. C'est Moïse qui était son colistier. Et il va déposer des dossiers dans le cadre d'une élection pour laquelle le corps électoral a été convoqué pour le 11 novembre, 11 avril. C'est-à-dire que logiquement, quand il reste dans l'esprit de la question de décembre 90, c'est normalement le 5 avril que le mandat du chef de l'État prend fin. Et lui va déposer son dossier pour l'élection du 11 avril. Et puis après, vous venez dire que le mandat de Talon finit le 5 avril. Mais il y a quelque chose de pas sérieux dans l'histoire. Monsieur Avolantor. Il y a quelque chose d'inacceptable dans l'histoire. Monsieur Avolantor, votre réaction sur les propos du chef de l'État, les griefs qu'il a contre Eric Yamadougou et Joël Ayougo par rapport à leur non-appartenance à un parti politique. J'ai posé des questions à Monsieur Attaridi. Jusqu'à aujourd'hui, le Patrice Talon, chef de l'État lui-même, on ne sait pas de quel parti politique il est, mais il fait grief aux autres candidats de ne pas appartenir à un parti politique. Votre réaction? En fait, ma réaction, elle est ce que vous voyez là. C'était un peu douloureux pour moi de passer tout ce temps à écouter malheureusement mes vis-à-vis. Je vais vous... Ça a été plus douloureux pour vous que d'écouter Talon quand il le disait? Ah non, bon. Talon, c'est si on lui accorde... Il est déjà habitué. On s'y est même pas habitué. En fait, l'individu... Vous savez, il y a... Je pense que c'était à bord cet humoriste, père à son âme, qui... parlait de valeur nette comptable de quelqu'un qui est égal à zéro. Quand la valeur nette comptable d'un individu sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan même de la posture de gouvernance est égale à zéro, l'individu, vous utilisez ses sorties un peu pour vous déstresser de votre quotidien, parce que c'est tout ce à quoi... Revenons au grief. Revenons. Oui, alors, je vais vous répondre en disant que, en plus, Patrice Talon a parlé de prédation, de prédateur. J'avais donné une entrevue sur CICA TV où j'ai dit que Patrice Talon, en fait, a un véritable instinct de prédateur. C'est moi qui ai utilisé ce mot le 22 avril dernier. Mais Patrice Talon, dans cette intervention, a concentré en lui-même une inculture, mais chronique, une inculture de la chose politique, mais alors de façon chronique, une ignorance totale de la donne installée par les nombreuses sorties de modifications de loi par-ci, par-là qu'il a insufflé, donc inculture, ignorance. Il concentre avec tout cela une incompétence, mais alors terriblement désopilante, en ce sens que voilà quelqu'un qui a tous les moyens, au moment où il prenait en fait en 2016 le pouvoir, de réussir au moins une fois quelque chose dans sa vie, sans tricherie, sans contour, j'ai trouvé ceci sur le... sans contour
autour de la légalité des choses, mais qui échoue, mais alors de façon lamentable. Dites-moi une seule chose que Patrice Talon a réussi depuis 2016. Sa réforme du système partisan, c'est pour promouvoir les femmes. Il a même fait inscrire dans sa constitution Halloween la promotion des femmes. C'est pour promouvoir les femmes, c'est pour éviter les transhumances politiques, c'est pour. Sa réforme du code électoral, c'est pour asseoir un système aisant de toute implication directe d'un individu. Dites-moi, où est-ce qu'il a réussi là-dedans? En fait, Patrice Talon accuse les autres d'être des trafiquants de drogue, de machin chouette. On a déjà passé cette étape. Je n'ai pas répondu par rapport à cela. Allez-y donc rapidement. Alors, parce que le sujet actuel, c'est les griefs de candidats. Oui, mais je voulais quand même faire ouvrir une petite parenthèse et la fermer rapidement en 30 secondes sur cette histoire de trafiquants de drogue. Nous savons tous que Patrice Talon fait référence aux 18 kilos de cocaïne que prétendument on aurait saisi dans un conteneur à Diavon, là, au pied de la porte d'entrée. Mais entre-temps, Patrice Talon a été le même à avoir muselé tout le monde et à intimider tout le monde de parler de ces 3 tonnes de cocaïne en direction du port dont il est le propriétaire privé aujourd'hui. De ce même port dont les autorités viennent du port d'Anvers, qui est la première porte d'entrée de cocaïne en Europe. Et c'est ce même Patrice Talon qui vient nous parler de probité morale, de probité dans la politique, de lutte contre la corruption, etc. Revenons maintenant à la question des partis politiques. Mais vous vous rappelez que le premier parti à avoir décrété que Patrice Talon est son candidat, c'est le parti de Jacques Ayadi, le Mouel, Bélet, suivi par l'UDBN de Prudencio. Avant même, entre-temps, les luttes intestines entre BN, BR et UP et intra-intestines entre BR et UP attendaient de voir où est-ce que le vent allait souffler pour se décider. Il parle de partis politiques et il a même magnifié ce qu'il a appelé ses concurrents. Agossa. En fait, Agossa a obtenu 16 parrainages en tant qu'individu, non pas par son parti, dont il a été éjecté, en fait, pour haute trahison. Agossa, en tant qu'individu, a obtenu 16 parrains. En fait, vraiment, nous ne sommes plus dans une représentation théâtrale. Nous sommes dans la calamité existentielle même de la chose politique. Et c'est cela qui est gravement, gravement ahurissant et dont il faut guérir très, 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 très vite. Et je pointe dont il faut guérir très, 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 parce que Patrice Talon est la pire des calamités que ce pays, le Bénin, ait connu jusqu'ici et que le Bénin connaîtra, je parie, pour les 100 prochaines années. On n'en connaîtra pas de pire. Patrice Talon est le drame, c'est-à-dire, c'est un drame vivant, un drame humain pour ce pays-là. Et je vous... Il ne sera pas d'accord avec vous. C'est pas possible qu'on en ait d'aussi lamentablement désolant. Et c'est dommage. Et regardez les méthodes de Patrice Talon, en fait. Ce sont des méthodes que l'on attribuerait à des gens de rue peu éduqués, c'est des méthodes tout simplement de divorcés sociaux qui utilisent la force, qui utilisent ce qu'on appelle le agidi
pour régner. Au-delà de Agidi, Patrice Talon lui-même sait qu'il n'est rien, qu'il n'est personne. Mm. Il a beau avoir ses milliards. Mm. On va suivre un élément et je vais vous relancer tous dans un instant. Vous dénoncez, Monsieur le Président, les violences qui ont éclaté dans votre pays, notamment entre le 6 et le 9 avril, hein, mm-hmm. notamment dans le centre-nord du pays. Le fait est que de nombreux Béninois de ne pas pouvoir s'exprimer dans les urnes, faute de candidats importants représentant l'opposition, et qu'ils sont descendus dans la rue hein, pour manifester, pour protester. Vous avez regretté vivement qu'il y ait eu des blessés parmi les forces de l'ordre, mais vous n'avez pas du tout parlé des morts dans la population civile. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de personnes sont décédées ? Dans quelle population civile ? Oui. Dans quelle population ? De quoi vous parlez ? Quelle population civile ? Parmi les assaillants, parmi ceux qui ont tiré sur les policiers, vous avez l'identité ? Parmi les populations civiles, comme ouais. à Savé, comme à Tchaourou, est-ce qu'il y a eu des populations civiles ? Il y a, à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'il y a eu des morts parmi les populations avez-vous, civiles ? Avez-vous, comme vous êtes journaliste, que France Inter est représenté au Bénin par des reporters, avez-vous vu des familles qui ont présenté la dépouille mortelle de personnes que vous citez, donnent leur identité et qu'on sort. Moi, jusque maintenant, en tant qu'autorité en charge de la sécurité, de tout ce qui relève de notre bien-être ensemble, nous avons cherché à savoir qui sont ceux qui seraient éventuellement victimes des coups de feu de défense des forces de l'ordre. C'est important de savoir, même pour les enquêtes, c'est, on n'a pas vu, on n'a même pas vu de déclaration de décès. Et pourtant, c'est utile pour faire la part des choses, pour savoir qui a fait quoi et qui est victime. On en parle, mais personne n'a vu. Selon plusieurs sources, Monsieur oui. le Président. Mais moi aussi, j'ai été informé de ça. Sources hospitalières, selon non. le maire de Savé également, il y a eu au moins deux morts les 8 et 9 avril dans le centre-nord de votre pays. Moi, j'ai demandé au maire, je l'ai appelé, je lui ai demandé, il m'a dit non, que lui... Il n'a pas vu les corps qu'on lui a dit. Mais lui non plus, il n'a pas vu les morts. Je suis là pour la question. J'ai voulu qu'il fasse une déposition. Il n'y a pas eu de mort entre non. le 6 et le 9 avril ? Ça a été dit. C'est bien possible. Quand vous tirez sur des policiers, des agents, et qu'eux aussi, ils répliquent, c'est probable qu'il y ait des morts. Monsieur Hassani Assouma, vous avez suivi cet élément et cet extrait. Les propos du chef de l'État, il rejette en bloc hein, qu'il n'y a pas eu de victimes collatérales. Enfin, quand on parle de victimes collatérales, c'est-à-dire c'est des victimes qui ne sont pas impliquées dans les affrontements, mais qui sont tombées hein, du fait des affrontements et des faits des balles. Mais le chef de l'État dit qu'il n'y en a pas eu. Est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir en place est toujours resté dans le déni des victimes collatérales, monsieur Assouma? En 2019, ça a été le cas. En 2021, ça a été le cas. Le pouvoir ne reconnaît pratiquement jamais que des victimes collatérales existent. Ceux qui ont été tués, c'est des assaillants, c'est des terroristes, c'est des... Comment dirais-je? C'est des chasseurs. C'est des chasseurs. Et parallèlement, il y a des forces de l'ordre qui sont blessées. Mais des victimes civiles, il n'y en a pas. On n'en a pas recensé dans les hôpitaux. Il a même appelé le maire de Banté ou de je ne sais quelle mairie qui lui a confirmé que lui aussi ne connaît pas de victimes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce déni de la vérité et de la réalité par rapport aux victimes collatérales, monsieur Assouma? C'est aussi notre faute de cette interview. Cette interview a péché aussi par là. Ça fait partie des fautes que j'ai préalablement citées. C'est la preuve que le chef d'État lui n'a pas pris la mesure des choses, qu'il ne sait pas ce que pourrait impliquer la réplique sur un théâtre de militaires face à une population en meute. Et forcément, les dégâts collatéraux, c'est ce qu'on déplore le plus. Et c'est d'ailleurs dans toutes les guerres, hein, qu'elles soient fatidique ou c'est pas intercontinental ou c'est pas intercommunautaire, il y a beaucoup plus de dégâts collatéraux que de cibles atteintes.
Et ça, malheureusement, c'est clair. Maintenant que le chef de l'État ne veut pas reconnaître cela, je dis, c'est pas correct. Quand je dis c'est pas correct, c'est pas. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une guerre d'ailleurs? Est-ce qu'il a jamais été sur un théâtre où il y a du bruit? S'il avait su à peu près ce que ça fait que de tirer dans une foule, ben il comprendrait que les dégâts collatéraux, on pourrait les enregistrer. Ceci étant, je ne pense pas que ce soit de son ressort d'en parler. Il venait, par cette partie de l'interview, venait de désavouer ses services qui ne l'ont pas renseigné à juste titre, parce que forcément, il doit avoir des dégâts collatéraux. Vous pensez, que ce sont ces services qui ne l'ont pas briefé sur la situation, la réalité sur le terrain? Vous pensez que c'est ça? Vous n'avez pas idée de ce que c'est que le cadre béninois. Le cadre béninois, vous ne savez pas ce que c'est. Le cadre béninois ne dit jamais ce qui est mauvais au chef. Je l'ai expérimenté, c'est ce dont je parle. D'accord? Pour ma petite expérience, il m'est déjà arrivé de parler à mon ministre qui était tombé à la renverse. Ne comprenez pas que je lui parle de cette façon-là, que je lui parle de ces choses-là. C'est des choses que les gens ne vous disent pas. Bon, maintenant, lui-même, il sait bien que si on a tiré dans deux directions, forcément, il y a des gens qui ne seraient pas partie prenante de ce combat, de ces affrontements, mais qui vont recevoir des balles. C'est normal. Il y a des maisons qui vont prendre feu, il y a des maisons, la plupart des maisons dans la zone sont des maisons en banco, où des balles pourraient percer ces maisons et atteindre des gens. C'est possible. Maintenant, il a dit, il n'a pas exclu. Il a dit, et c'est là où il s'est rattrapé. Et c'est là où il vient de vous avoir parce que moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle La République, où quelqu'un est venu carrément dire c'est un menteur. Je dis non, il n'a pas compris. Mais il n'a pas compris. Il s'est réservé la marge d'erreur. Il dit, ça se pourrait. Il a dit, vous l'avez entendu comme moi, ça se pourrait, mais je n'ai pas vu. Qui doit lui faire monter l'information? Ce n'est pas lui. C'est un déni qui ne date pas d'avril 2021, c'est un déni qui date depuis mai 2019, M. Assouma. Oui, non, ça date même d'avant. Ça date d'avant, vous êtes très gentil quand vous parlez de mai 2019. Non, il faut aller encore un peu plus loin pour voir comment est-ce que nos chefs d'État ne sont pas sérieux. Nos chefs d'État, ils ne sont jamais au courant de rien. Ils ne sont jamais au courant de rien. Il y en avait un qui carrément venait se mettre devant la télé pour dire « je n'étais pas informé ». Un chef d'État qui le dit, devrait pouvoir démissionner suite à cela. Quand tu dis « je n'étais pas informé » d'une chose qui touche directement des populations, tu devrais à la suite de cela démissionner et dire « bon voilà, je ne suis pas compétent, tu démissionnes ». Mais on s'est installé dedans, les gens sont complets à l'intérieur de cette pratique-là et je crois qu'il s'est blessé cette marge-là et puis il en profite. Mais dire qu'il n'est pas au courant, c'est quand même tirer un peu sur les cheveux. Moi, je crois qu'il sait qu'il y a eu des dégâts et je crois qu'aujourd'hui, s'il apprécie la gravité de ce qui a pu se passer à Save et à Tchaourou, c'est par rapport à ces dégâts-là. On parle souvent des soldats qui ont été blessés, beaucoup de soldats ont été blessés, des soldats qui portent une arme AKM chargée, qui ont des munitions, qui sont blessés, qui ne ripostent pas, mais ils ripostent dans tous les sens. Ça, c'est pas du fait de l'État, c'est pas du fait c'est du fait d'homme de l'humain. C'est inhérent à l'humain que nous sommes. Si je suis blessé et que j'ai une AKM chargée, ben, attendez, je peux rafaler. Et je peux rafaler sur n'importe quoi, sur n'importe qui pourrait devenir ma cible à partir du moment où je suis poussé dans mon retranchement. Donc, je crois que c'est pas l'essentiel du débat. Il y a plus intéressant. Attendez, François, les propos du chef de l'État, ça semble du déni de l'existence de victimes collatérales. Merci, Monsieur Vital. La question est d'autant plus importante que ça mérite d'être vraiment direct dessus. D'être véridique dessus. Mais je m'en voudrais, je vais m'en vouloir toute ma vie si je ne corrige pas une vérité qui a été mise sous table par M. Avolonto. Je vais regretter toute ma vie si je ne le dis pas. La promotion de la femme a
Monsieur Avolonto a dit Patrice Talon n'a jamais fait quelque chose dans sa vie, n'a jamais réussi quelque chose dans sa vie. Même sa réforme sur la promotion de la femme, il ne l'a pas fait, il a raté. Quand même, même si enfant d'avocat, qu'est homme est ton moins père, même si Monsieur Avolonto, vous n'aimez pas Patrice Talon, vous n'allez pas dénier, vous n'allez pas rejeter que. Il a choisi une femme comme sa colistière. Vous n'allez pas nier que la vice-présidente de notre pays est une femme. Ça, c'est une promotion de la femme, monsieur Avolonto. Quand même, on ne peut pas nier cela. Ça existe, c'est là, c'est devant nous tous. À moins que vous vivez sur une autre planète, moi, je ne sais pas. Patrice Talon n'a jamais réussi quelque chose dans la vie. Peut-être vous pouvez parler de sa vie privée, mais il a quand même une femme et des enfants, il est un milliardaire, ça voudrait dire qu'il a réussi quand même quelque chose. Revenons dans ma question. Je vais revenir. D'ici, je n'ai pas dit ça, je vais regretter toute ma vie. Maria Greta II. La route des pêches. Non, vous allez nous citer encore une fois là, monsieur Attaredi. C'est à Avolonto. Non, écoutez, monsieur Vital. Ça, c'est à Avolonto qui les a fait. C'est à Avolonto qui les a fait. D'accord. Revenons à la question. Je reviens ici. Je reviens sur la question. Moi, en tant que François Attaredi, jusqu'au moment où nous parlons, je n'ai pas eu une preuve que des Béninois ont été tués lors de ces manifestations-là. Il y a personne, je ne parle même pas du propos de chef d'État, moi, en tant que citoyen, qui cherche à connaître la vérité de mon pays jusqu'à l'heure où nous parlons. Si vous en avez, M. Panou, exhibez ces preuves ici, devant Mais vous avez au moins les preuves. Un instant, mais vous n'avez pas les preuves qu'il y a eu des victimes collatérales. Vous êtes dans la même ligne que le chef de l'État, mais vous avez des preuves. Je n'ai pas de preuves. Mais vous avez des preuves, monsieur Attaredi. Les affirmer. Monsieur Attaredi, vous avez des preuves que des forces de l'ordre ont été blessées, au moins? Oui. Vous avez eu des preuves. Ils sont à l'hôpital. Et vous avez eu ces preuves parce que vous les avez vues à l'hôpital, c'est ça? J'ai vu les images et des gens, mes proches collaborateurs, sont allés au Bénin et ils ont constaté et me l'ont dit. Monsieur Attaredi, une question pour vous. Est-ce que vous pensez même que si on vous montrait des images de civils tués par balle, ça aurait changé quelque chose dans le déni dans lequel vous êtes et dans lequel le chef de l'État est? Vous savez, le chef de l'État, dans ces conditions-là, dans ces situations, on voit à la télé, par exemple, le cas du Tchad, le dernier affrontement des rebelles et autres, là. Nous avons vu quand même à la télé, lors des dernières manifestations au Tchad, les familles, les mamans qui pleurent leurs enfants. Vous avez vu ça où? Mon enfant, mon garçon a été tué. Vous avez vu ça où, monsieur Attaredi? Sur les médias internationaux, on a montré. Mais vous avez vu ça, donc vous n'avez pas vu. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas vu les reportages des médias internationaux par rapport aux victimes qu'il y a eu? Pourtant, il y a TV5 qui en a montré. Lorsque, monsieur Attaredi, soyez un peu un jour honnête dans vos propos. Hein. Donc, vous avez vu pour le Tchad, vous avez vu des victimes collatérales pour le Tchad, mais pour le Bénin, vous n'en avez pas vu. Ça fait quand même bizarre. Monsieur Attaredi. Non, monsieur Attaredi, je ne change pas vos propos. Vous venez de dire. J'ai vu les mamans en train de pleurer leurs enfants. C'est ce que j'ai dit. Et vous avez vu ça sur les médias internationaux. Alors, moi, je vous dis que pour le Tchad... Montrez-nous les images.
Monsieur Akhaledi, donc vous n'avez pas vu le reportage de France 24 ou de TV5 par rapport aux victimes qu'il y a eu. Vous n'avez pas vu ce reportage où on a interviewé, un instant, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il s'est agi du Tchad, vous avez pu voir les médias internationaux, vous avez pu apprécier qu'il y a eu des victimes collatérales. Mais quand il s'est agi du Bénin, quand on parle du Bénin, vous êtes dans un déni, vous ne reconnaissez plus que les médias internationaux. Donc, les médias internationaux jouent quand même un rôle, malgré tout. C'est quand même curieux, M. Attaredi. Alors, je vous posais la question, est-ce qu'il y aurait même eu un changement au niveau de ce déni dans lequel vous vous empêtrez, même si on vous montrait les images de maman dans les médias internationaux? Et puis en plus, M. Attaredi, on sait comment ça se passe. Dès que les images sont montrées, les médias internationaux sont vilipendés. On dit, on les met dans le même banc d'accusés que des fauteurs de troubles. Le chef de l'État, dans sa réaction, l'a dit, ces médias sont même des fauteurs de troubles. Ces médias, il ne faut pas les croire, parce que on dit que c'est des reportages biaisés. Alors, vous voulez aujourd'hui, M. Attaredi, si je vous prends au mot, vous voulez faire confiance aux médias internationaux dans le reportage. Moi, je peux vous envoyer le reportage de France 24. Encore que vous allez me dire... Monsieur Attaredi, vous me faites du rire. Vous me faites du rire. Moi, je l'ai même publié sur ma page. La dernière question que je vais vous poser, Monsieur Attaredi, ne soyez pas... Ne vous énervez surtout pas, parce que j'ai compris que vous êtes en train de perdre votre tempérament. Je vous disais tantôt, même si on vous montre les victimes des photos, des images de victimes collatérales aujourd'hui, est-ce que ce déni dans lequel vous êtes, est-ce que ça allait changer? Si vous pouvez montrer un reportage que quelqu'un est en train de pleurer sa mort au Bénin lors de ces événements, je vous aurais cru. Monsieur Attaredi, savez-vous que en mai 2019, les reportages, les images ont montré à foison une victime tombée sous les balles, une victime collatérale tombée sous les balles, d'accord? Et que pourtant, le pouvoir central dit que cette dame est morte de maladie naturelle, de paludisme par exemple. Vous voyez pas que c'est un déni dans lequel vous empêtrez et duquel vous refusez de sortir? Et que c'est lorsque c'est au Tchad que vous le reconnaissez, mais lorsque c'est chez vous au Bénin, c'est pas bien pour l'image. Est-ce que c'est sérieux? Ça fait pas sérieux, Monsieur Attaredi. La dame qui était décédée. Parce que vous demandez des preuves. Même si on vous sortait des preuves. Encore faudrait-il que les médecins que vous allez commanditer pour signer les attestations, les certificats de décès ne pourront pas dire que c'est des victimes collatérales. On le sait très bien. On est au Bénin. C'est pour ça que je dis, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir central n'a jamais reconnu qu'il y a eu des victimes collatérales. Est-ce que c'est difficile? Mais attendez, M. Attaredi, qu'est-ce qui rend ça si difficile au pouvoir d'accepter que oui, il y a eu des victimes? On a reconnu, on a dénombré. Même au Tchad dont vous parlez là, le pouvoir central a reconnu qu'il y a eu 4 victimes collatérales. Et l'opposition dit qu'il y en a eu 6 ou il y en a 9. Ça a toujours été le cas. Mais au Bénin, on n'en connaît pas. Le chef de l'État n'en a jamais entendu parler. Le maire qui l'a appelé au téléphone lui a confirmé qu'il n'y en a pas eu. Mais M. Attaredi, ça ne fait quand même pas sérieux pour un État responsable. Oui, monsieur Vital. Non, merci. Je crois. Le maire de Save. Est-ce que vous avez contacté le maire? Moi, je n'ai pas besoin de contacter le maire. Le chef de l'État l'a fait. Si. Le chef de l'État l'a fait. Si le chef de l'État dit qu'il n'y a pas eu de victime collatérale, c'est déjà bon, c'est tant mieux. De toutes les façons, je crois que chacun a une conscience et ça restera sur la conscience de chacun. Monsieur Avolontan, par rapport au déni des victimes depuis un certain temps, qu'est-ce qui rend si difficile qu'un pouvoir central accepte ou reconnaisse qu'il y a eu des victimes? Quand on tire, il y aura toujours des victimes. Le chef de l'État est même allé jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de tir de sommation.
Monsieur Panou, en fait, cela témoigne de ce que j'ai dit. Patrice Talon concentre en lui une culture, ignorance, incompétence et calamité sociale. En fait, regardez toute la posture de hautaine de l'individu. Les professeurs dans ce pays-là n'ont plus aucune autorité. Les hommes politiques qui ne lui font pas allégeance, et même ceux qui lui font allégeance, n'ont plus aucune valeur. En fait, le Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R et S-A-I-G-N-E-U-R, tout puissant, c'est lui, au-dessus de tout, au-dessus de tout soupçon, qui regarde tout le monde de haut. En fait, ce mépris est caractériel d'un individu qui porte en lui-même les stigmas d'un mal-être existentiel qu'il projette sur les autres pour se convaincre qu'il existe lui-même. En réalité, c'est un mépris que nous notons dans tout. Il est allé à Parakou. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, nous, nous arrangerons et les gens auront les parrainages. Comme si c'est à lui de décider quand il y a des lois que tel aura des parrainages et tel n'aura pas de parrainages. Et je voudrais référer vos auditeurs à ce qui s'est passé avec l'ARB, le PSD, l'Union fait la nation, etc. Même le PRD de Mbédi, etc., etc. Ensuite, voilà quelqu'un qui se pointe et qui fait des affirmations à l'emporte-pièce comme s'il était juge d'un tribunal qui décide ou qui a déjà effectué les recherches nécessaires pour conclure à la culpabilité de gens qui ont été arrêtés sans aucune forme de procès. Sans aucune forme de procès. On enlève les gens cagoulés et qui vient dire que ce sont des récidivistes. Le même récidiviste, par exemple, à Ivor, mais dont il a sollicité les réflexions pour qu'il l'aide à asseoir ses simagrées enfin, je voudrais utiliser un mot qui ne serait pas bien par rapport à la Constitution. À Ivor, récidiviste, etc. Qui décide, avant procès, qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle. Non, mais nous sommes finalement non plus dans Alice au pays des merveilles, parce qu'au moins Alice au pays des merveilles, il y a des merveilles. Mais nous sommes carrément dans une dimension totalement, totalement triste. Et c'est pour cela que je dis le drame qu'est Patrice Talon pour ce pays, si cela n'est pas arrêté tout de suite. Mais alors, tout de suite, le prix des générations sur générations le paieront pour des centaines d'années. Donc, mépriser les morts rentre dans la même dynamique structurelle, mentale de Patrice Talon, qui n'a de respect pour rien, qui n'a de respect pour personne, et qui ose l'affirmer. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Merci, monsieur Avalantor. Monsieur Ataledi, ce que moi je vais vous dire, c'est de prendre du recul un peu, surtout par rapport aux victimes, parce qu'on parle de victimes collatérales, on ne parle pas de ceux qui sont en affrontement. Et victimes collatérales, ça peut être tout le monde, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui. Donc il faut faire très attention toujours, moi je pense, hein, lorsque on veut toujours rester dans le déni pour dire je veux les preuves de ceci par rapport aux victimes collatérales. On ne le souhaite pas, on ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que ce soit un proche de moi, je ne souhaite pas que ce soit un proche de vous. J'espère qu'il n'y en aura plus. J'espère qu'on n'aura plus d'événements qui vont produire des victimes collatérales. On va aborder le dernier sujet de ce décryptage, et puis après on va rapidement survoler quelques points d'actualité, les deux récents points d'actualité très rapidement. Je vais vous demander d'être assez bref, on va suivre cet élément et puis on revient ici sur le plateau. Alors, on note quand même que votre juge de paix, ça semble être l'économie, les résultats macroéconomiques sont
bon hein, depuis mi-2020, le Bénin. Pour moi, c'est l'indicateur de tout. De tout. Le bien-être des hommes est l'indicateur de toute action publique. Alors, le Bénin est classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. On a vu que les agences de notation affirment que le Bénin a une croissance importante malgré les crises, la pandémie et tout ça. Évidemment, on se pose la question du partage de cette croissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la croissance, oui, les chiffres sont bons, mais elle n'est pas encore assez inclusive? C'est une question que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bénéficie à tous, y compris les classes, les pauvres. Est-ce que dans un pays, vous avez déjà vu, dans quel pays du monde sur cette terre, dans quel pays du monde vous avez vu que la croissance qui peut être portée par un secteur une fois, un autre secteur après, à la fois profite à tout le monde? Vous voulez que si un acteur, les artisans, travaillent dans une période beaucoup mieux, et que l'action publique, l'assainissement de l'espace public, le meilleur fonctionnement de services publics, de la douane et consorts, les investissements publics, ça permet aux uns aux autres d'exprimer leur talent, d'exprimer leur potentiel, de mieux travailler et de jouir davantage des fruits de leur labeur. Vous voulez que, par exemple, celui qui, par exemple, ne fait pas grand-chose ou fait moins que celui, que les fruits soient partagés? Nous sommes dans un pays libéral. Le Bénin n'est pas un pays communiste. Et ça, je vous prie de ne pas considérer que le Bénin est un pays où on prend les fruits de la peur des uns et des autres, qu'on partage à tout le monde de manière égalitaire. Donc, c'est tout à fait normal que dans une période aussi courte, que les progrès que nous observons globalement ne puissent pas impacter pareillement tout le monde. C'est normal, ça. Mais notre espoir est que l'action publique permette que le pays se développe de jour en jour, de manière de plus en plus large. Même le mot inclusif ne veut rien dire. Il faut que chacun puisse, fort de son potentiel, de ses labeurs, puisse également progresser et que les services publics soient au service de tout le monde. L'eau et l'électricité, est-ce que c'est seulement à quelques-uns qu'on apporte l'eau? Quand vous dites que c'est pas inclusif. Nous sommes en train d'amener l'eau à tout le monde sans distinction. Et dans deux ans, l'eau potable. Quand? Dans deux ans, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. Nous sommes arrivés, nous avons fait un progrès énorme qu'on n'a jamais vu. Bientôt, dans deux ans et demi, l'électricité sera partout au Bénin. Les routes vont partout de plus en plus. Les pistes rurales partout. C'est ça, c'est la manière dont notre croissance, qui profite également à l'État, qui fait que l'État a de plus en plus de recettes, investit au profit de tout le monde. Je ne pense pas que vous ayez entendu que la route est allée desservir une communauté, un ami, et que nous faisons l'effort de faire un développement équilibré. Les infrastructures, si vous êtes informé de ce qui se passe, c'est dans tout le pays que nous faisons des investissements. Ça, ce n'est pas une manière de faire profiter l'ensemble du pays de nos performances collectives. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous appelez développement inclusif? Monsieur Hassani Assouma, je vous ai vu pouffer de rire à plusieurs reprises pendant que passait l'élément. Le développement inclusif ou la croissance inclusive, ça ne veut rien dire. Patrice Talon, point. Votre réaction? Non, c'est aussi une faute. C'est aussi une faute qui ne traduit pas la vérité des choses. Mm-hmm. C'est aussi une faute de communication. Et définitivement, c'est quelques extraits qui ont été choisis pêle-mêle de façon très habile je ne crois pas que ça traduise la vérité des choses. Et forcément, ce que le chef de l'État ignore peut-être, c'est que le développement, quand il en arrive à impacter le PIB d'un pays, c'est que ça profite forcément à tout le monde. D'accord? Maintenant, la question que le journaliste a posée et qui aurait eu pour réponse que la richesse est bien partagée,
n'avait pas été bien cerné par le chef de l'État. En fait, moi, c'est mon appréciation des choses, parce que quand, effectivement, comme il a dit à la fin, quand il fait les routes, il ne fait pas une route pour les pauvres et une route pour les riches. Quand il finit de faire les écoles, il ne fait pas les écoles pour les riches ou les pauvres. Quand il crée les instituts, quand il crée les facilités, quand il dématérialise les actes administratifs, quand il modernise le système éducatif, quand il améliore les curricula même de formation, ce n'est pas pour les pauvres ou pour les riches, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui produisent, c'est pour tout le monde. Donc forcément, et c'est ce que le gouvernement voulait savoir, forcément que le développement, s'il y a un développement induit, sa gouvernance induit du développement, les profits à tout le monde, les fruits sont partagés par tout le monde. D'accord? Et puis, je crois que le journaliste m'a constaté une insuffisance au niveau du chef de l'État, pas une insuffisance qualitative, hein, une insuffisance en matière, parce qu'il n'est pas, je n'ai pas vu un chef d'État complètement posé. J'ai vu plutôt un chef d'État un peu agressif, un peu qui est sur l'écran, qui sait qu'il sera attaqué et qui a fait certaines fautes. Je sais que quand on l'écoute, quand on voit le niveau de réflexion de la personne, quand on voit le niveau de maîtrise des dossiers qu'il expose, je crois qu'il aurait pu mieux faire. Mais la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée n'est pas bonne, mais moi, je corrige ici, je dis, forcément, quand vous faites des routes, ça profite à tout le monde. Quand vous développez les curricula de formation pour les artisans ou pour les enfants, pour nos élèves, nos écoliers, les universités, quand vous changez le modèle d'enseignement au niveau des universités, forcément, ça profite à tout le monde. Seigneur. Et tout ça, c'est du fruit du développement. Donc, je crois que il a été piégé, malheureusement. Et il saura corriger cela très bientôt, il saura ramener cela et dire non, attention, ce que je fais là, ça profite à tout le monde. Quoique, je ne suis pas sûr que ça profite effectivement à tout le monde. Ça ne profite pas à tout le monde parce qu'il y a des secteurs de l'économie, il y a des secteurs de la vie publique au Bénin qui sont détenus encore par une minorité, qui sont détenus par des clans, qui sont détenus par des privilégiés, d'accord? Et ils doivent se battre pour que, dans ces réformes futures, que ces choses-là ne soient plus observées dans notre pays. Je crois qu'il y a quelques... Contrairement à monsieur Avolonto, je ne vois pas du tout noir, du tout blanc, non. Je ne vois pas du tout blanc ou du tout noir, non. Forcément, il y a des choses qui se font. Le Bénin de 2016 à aujourd'hui n'est pas le Bénin d'aujourd'hui n'est pas comparable à celui de 2016. Nettement, il y a forcément des choses qui ont été faites, même si ce n'est pas fait avec l'argent de talent. Il y a eu une vision, il y a eu une démarche, il y a eu des actions qui ont été posées, il y a des résultats aujourd'hui, absolument. Non, on ne peut pas dire que tout est noir, non, ce n'est pas vrai, mais tout n'est pas non plus blanc. Il y a des choses à corriger, absolument. Et maintenant, il faut que les acteurs autour du chef de l'État et le chef d'État lui-même se mettent dans une dynamique telle que le déni ne soit plus le système d'information du pays. Il ne faut pas qu'on soit dans le déni absolu. Parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit que c'est quand on ne fait rien qu'on ne se trompe pas. D'accord? Celui qui est dans le feu de l'action peut forcément se tromper. Et il faut qu'il ait l'humilité de reconnaître que, bon, j'ai eu telle démarche. L'intention de base, elle est forcément bonne parce que quand vous apportez une réforme dans un secteur, c'est forcément pour améliorer le secteur, c'est forcément pour améliorer le bien-être de ceux que vous avez en charge de diriger. Mais il peut y avoir des couacs, il peut y avoir de l'entorse, il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans le sens du résultat que vous escomptiez. D'accord? Il faut que les gens puissent se mettre dans une dynamique telle que tout ce qui pourrait arriver comme correction éventuelle à partir des critiques qui se font ici et là puisse être intégré pour que ça s'améliore. Vous savez, nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à ce que le mandat de Talon, que ce soit le mandat passé ou celui dans lequel il va rentrer à partir du 23 mai, soit un échec. Parce que 5 ans d'échec de Talon, ce n'est pas 5 ans de Talon de perdu, c'est 5 ans de perdu pour le pays. Vous et moi, nos enfants, nos petits-enfants et tout le reste, c'est ça en fait. Donc, il faut que nous rentrons, vous vivez aux États-Unis, moi je connais les États-Unis, remarquez, l'Américain,
il voit de façon globale ce que ces actions peuvent apporter pour le changement de la Grande Amérique. C'est ça, en fait, ce qu'on inculque à l'Américain. Mais nous, on est dans la dynamique de « il peut échouer ». Non, franchement, qu'il échoue, je ne pense pas que ce soit ce qui est souhaitable. D'accord ? Maintenant, tant qu'on peut l'aider à corriger, il faut que lui-même soit, qu'il ne se prenne pas pour le plus intelligent et que les gens autour de lui ne se prennent pas pour les plus intelligents. Il y a forcément des critiques positives, il y a des critiques, forcément. Il y a des choses qui sont mauvaises dans toute la gouvernance du talent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Il y a beaucoup de pratiques qui sont mauvaises. Mais il faut que les gens acceptent qu'on critique et que même intègrent que les critiques ne doivent pas être des sources de colère entre eux et les autres ou bien des sources d'emprisonnement. Non, c'est ça en fait. Et de part et d'autre, je crois que les deux camps, enfin, tout le monde doit pouvoir intégrer cela pour que nous puissions profiter effectivement du développement qu'induisent aujourd'hui les actions qu'il apporte au pays. Merci à Valentin. Le Bénin est un pays libéral, d'un système libéral. Le développement inclusif ou la croissance inclusive, ça ne veut rien dire. Je cite Patrice Talon. La notion... En fait, j'ai toujours dit sur tous les plateaux où je passe que le drame de ce régime et particulièrement le drame de la plupart des pays africains, c'est de tout confondre. Et Patrice Talon illustre sa méconnaissance totale de la notion de développement. En fait, il pense que développement signifie s'assurer d'augmenter le tonnage de production du coton pour que ça s'arrête, pour que cela s'arrête là. Quand Patrice Talon dit qu'on n'est pas dans un pays communiste et que la croissance ne devrait donc pas nécessairement profiter à tout le monde, j'ai mal pour lui. L'Allemagne n'est pas un pays communiste, à ce que je sache. Et toutes les politiques de développement s'assurent de profiter à tous, pas seulement qu'aux travailleurs, mais également aux chômeurs. Le Canada n'est pas un pays communiste que je sache, etc., etc., etc. En fait, cela me rappelle la même chose quand Patrice Talon se lève et dit et parle de grands électeurs. Dans un système à suffrage universel direct où on n'a pas de grands électeurs, on a peut-être des leaders politiques locaux. En fait, tout ça traduit l'inculture d'un individu, mais qui cherche forcément à se projeter comme ayant la connaissance et qui s'arrange pour promouvoir également des gens qui ne pourront pas venir le challenger dans son règne d'inculture. Cela s'appelle de la caquistocratie, tout simplement. C'est-à-dire que on sait soi-même qu'on est incompétent. On s'arrange donc pour s'aliéner ou pour s'allier, en fait, les services serviles d'individus dont on s'assure donc du salam alek en permanence. Et cela continue. Parce qu'un développement, ce n'est pas du bling-bling. Patrice Talon veut faire ressembler Cotonou à Paris, etc. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Et ça a été une marche de plusieurs siècles vers ce que... Et encore, Paris. Et encore, quand on connaît bien Paris, etc. En fait, Patrice Talon mélange. Donc, vous devez être encore plus indulgent envers lui. Vous venez de citer, vous venez de donner un parallélisme qui me pousse à vous demander, monsieur Avolonto, d'être indulgent vis-à-vis du chef de l'État. Non, il n'y a pas d'indulgence quand l'individu est conscient du gouffre de connaissances qu'il y a en lui et qui, en permanence, essaye de se projeter comme ne vivant pas ce gouffre. Je suis enseignant, je suis professeur, OK? Et mes étudiants, je m'arrange pour promouvoir en eux, avec eux et par eux, les connaissances, mais dans une pluralité justement
des connaissances. Okay? Et cela parce qu'ils viennent humblement chercher la connaissance. Mais regardez la trajectoire socio-personnelle de Patrice Talon. Avez-vous vu dans cet individu une seule fois? Il va vous s'aligner les mots. « Ah oui, je peux me tromper, etc. » Sans jamais s'arrêter ou dire « Ah ben tiens, ceci que je fais, que tout le monde décrit, ah je me suis trompé dessus. » Regardez cette histoire de certificat de paternité qu'ils viennent de sortir pour distraire l'opinion, etc. C'est-à-dire que nous sommes dans un ahurissement permanent et la question avec laquelle je vais finir, c'est nous avons en face de nous un individu qui veut passer pour être donc le président du Bénin, mais qui est d'une irritabilité, mais alors pas possible. C'est-à-dire le caractère, même Narcisse face à Patrice Talon, aura beaucoup de choses à apprendre. Et lorsqu'on est de cette irritabilité, lorsqu'on est de cette suffisance grégaire, on ne peut pas se doter du bon sens nécessaire pour diriger un pays. Ce n'est pas possible. À moins d'user des forces que l'appareil gouvernemental met à votre disposition pour terroriser, pour traumatiser tout le monde. Mais cela prendra fin, je vous l'assure, parce que... En 2026. Ah ben, monsieur Panou, personne n'a analysé ce que Patrice Talon est allé dire à Rouli. Je suis de Rouli. Donc, quand il était ce jour-là chez moi. C'est quoi cette parenthèse-là? La parenthèse, c'est. Je suis souvent informé. Non, mais Fonouleyi, mime Fonouleyi, Togandion, Misona Jodo, Bedea. Patrice Talon vient de vous dire. Quand est-ce qu'il a dit ça? Moi, je n'ai pas entendu ça, monsieur. Ah, mais tout le monde l'a fait. Non. Et puis ça a été critiqué. Alors, non, il a dit. Habituellement, j'entends les choses, mais ce n'est pas ce que moi j'ai entendu. Je vous dis que. Est-ce que vous m'avez déjà vu dire quelque chose qui ne soit pas vrai? C'est-à-dire, je vous dis que Patrice Talon. Vous pouvez vous tromper aussi, monsieur, à volonté. Je peux me tromper, mais pas en citant des individus. Je suis formé pour citer, sinon c'est du plagiat. Je suis formé pour citer. Je crois que j'ai même fait une émission, j'ai ouvert la parenthèse sur ça. Et ce qu'il a dit, ce que moi j'ai cru entendre dire, c'est que désormais on saura qu'un Fonou a eu le pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Mais non, il a ajouté, il a été plus loin en disant « Misona Jodo Bedia, retournez à l'élément audio, je vous assure. » Et d'abord... Les germes même de la discrimination. Et il a utilisé le mot ethnique dans son entrevue avec les journalistes. C'est d'un mépris grave. On voit vraiment qu'il ne connaît pas les mots. Merci, monsieur Avolontan. Merci beaucoup à vous. Merci à Talédi. Je vous ai vu sourire aussi encore un petit peu. On est à la fin de cette émission. Vous aurez le dernier tour de parole dans un instant. Mais par rapport au développement ou à la croissance inclusive, le chef de l'État dit ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On n'est pas dans un pays communiste. On est dans un système libéral. Donc, le développement inclusif, la croissance inclusive, laissez ça ailleurs. Monsieur Ataledi, votre réaction. Merci, monsieur Panou. Non, j'affirme que le chef de l'État a essayé d'expliquer que ce qu'il est en train de faire profite bel et bien à toute la population, qu'on soit riche ou pauvre, et lancer choses du nord ou sud ou l'est à l'ouest. Et je pense qu'il a... Il a manqué un peu de tact dans son développement, ou bien il a manqué un peu de précision ou d'explication sur la question du journaliste. Il n'avait pas vu la question venir. Je pourrais dire qu'il n'avait pas vu la question venir, mais que la question s'était présentée brutalement. Il a essayé d'expliquer, mais il y a certains mots. Je peux vous dire que tout en étant l'un des supporters de première heure du président de la République, j'aurais lui chuchoté à l'oreille de ne
certains mots spécialement à cette question-là, puisque ce qu'il voulait dire, si je peux interpréter, c'est dire que oui, chacun doit vivre à la sueur de son front, qu'on ne va pas distribuer gratuitement parce que nous avions créé des richesses. Il y a de la richesse. Il faut bien que quelqu'un crée la richesse, il faut bien que quelqu'un travaille. Quelqu'un ne peut pas travailler, l'autre va s'asseoir et bouffer. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire, mais il devrait préciser que même Dieu a dit que l'homme doit manger la sueur de son front. Voilà. Et que tout ce qu'il est en train de faire, que les routes qu'il a construites, l'électricité qu'il a donnée, l'eau qu'il a donnée, ainsi de suite. Monsieur Assouma a bien analysé, a bien expliqué. Donc, je reconnais qu'à cette question-là, le chef de l'État a manqué un peu de tact. Assurément, il va se corriger et donner beaucoup plus de réponses explicatives. Il va se rattraper à une prochaine interview. Peut-être que ce sera sur le Zapin 229. On espérait. Donc, pour finir rapidement, je voudrais publiquement m'incliner devant les dépouilles et la mémoire des compatriotes qui sont ou bien qui seraient disparus, qui seraient morts lors de ces événements-là. Monsieur Attaredi, vous venez de faire une erreur très grave. Lorsqu'on veut s'incliner, monsieur Attaredi, ne manquez pas de respect. Ce que vous venez de faire, c'est un manque de respect. Si vous voulez vous incliner, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas contre vous. Mais on ne va pas s'incliner en la mémoire de quelqu'un par le conditionnel. On ne le fait pas. On ne s'incline pas, on ne rend pas hommage à la mémoire de quelqu'un au conditionnel. Ne faites plus jamais ça. C'est une erreur. Parce que je n'ai pas la confirmation. Mais ne le faites pas. Donc, arrêtez de jouer à fin et à face. Ce n'est pas bon. Si c'est ça, je retire. C'est mieux. C'est mieux. Si ça ne vous plaît pas, je retire mes mots dans ce sens. Ne vous amusez pas à faire ça. C'est pas bon pour la mémoire. C'est pas bon pour la mémoire des gens. Soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Je préfère la poursuite du chef de l'État. Ne venez pas vous amener. Nous sommes au terme de cet entretien. Je vais vous laisser le dernier tour de table pour chacun de vous. Vous allez apprécier. Et vous pouvez choisir un sujet d'actualité sur lequel vous allez vous prononcer. En dehors, ce sera un sujet qui sera détaché du décryptage que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puisque le décryptage d'aujourd'hui porte sur l'interview du chef de l'État. Mais s'il y a un sujet d'actualité, il y a beaucoup de sujets d'actualité, beaucoup de sujets brûlants, la sortie du procureur spécial de la Criette avec la saisie de munitions, des calibres de numéro 12 qu'on a retrouvé, 70 000 cartouches qu'on a découvert dans un véhicule qui a fortuitement fait un accident et à Banté que ça s'est passé. Voilà, donc des sujets. Il y a eu la sortie de Kémi Séba qui a apprécié. D'ailleurs, ce dont on a parlé tout à l'heure, le fait de dire qu'on n'est pas un pays communiste, on est dans un système libéral, qui a fustigé le fait que l'humain ne soit pas au cœur, au centre du développement dont on se prévaut chez nous au Bénin. Voilà quelques sujets. Je n'ai fait que vous donner des exemples. Mais libre à chacun de vous, en 3 minutes pour conclure cette émission. Chacun de vous aura donc 3 minutes pour conclure l'émission. Nous allons commencer par M. Hassani Assouma, encore une fois que je remercie pour la première fois d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'il reviendra encore certainement. M. Assouma, si je vous donne 3 minutes pour conclure et dire un mot de fin de notre entretien. Je vous remercie. J'ai été très ravi d'avoir pris part à cette émission. C'est vrai qu'on est resté un peu sur notre fin parce que le thème du débat, même si c'est le décryptage du discours du chef de l'État, mais au lieu de cela, on est allé un peu dans tous les sens. Et puis, ce à quoi je m'attendais, ce n'est pas exactement ce qu'on a eu.
Bon, ceci dit, cela participe aussi de l'intérêt que nous accordons au débat politique de notre pays. En fait, aujourd'hui, je voudrais appeler quand même à l'apaisement dans notre pays. L'apaisement, je ne vais pas dire comme le chef de l'État, je ne vais pas faire comme le chef de l'État qui dit, qui reste quand même rigide dans sa position, non. On dit qu'il faut qu'on aille à l'apaisement parce que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin mérite qu'on s'arrête pour examiner le système politique béninois dans son entièreté, dans son ensemble. Patrice Talon, c'est la résultante de la classe politique, c'est la synthèse de la classe politique béninoise. Hein. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous décrions aujourd'hui, ce n'est pas du fait de Patrice Talon. Non, il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin. Et c'est pour cela qu'il y a une sortie de Jacques Ayadi qui m'a beaucoup plu. C'est d'ailleurs la seule qui m'a vraiment plu. Hein. D'accord? Où, littéralement, il vitriolait la conférence nationale et les résolutions qui en sont sorties en disant que c'était une arnaque nationale consentie. Je dis la même chose, il n'a pas dit ça en ces termes, mais moi, je reprends son idée et j'ajoute consentie. Librement consenti par tout le monde. Vous savez, la classe politique, elle a péché de par sa condition, elle a péché aussi de par tout ce qu'elle s'est arrogé comme prérogative au cours de la conférence nationale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne n'arrive à se retrouver dans ce qui se joue. Nous sommes aujourd'hui dans la réelle politique. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité des choses. Nous avons malheureusement choisi un capitaliste. Il faut le désigner par ce nom, hein, un capitaliste qui vient nous montrer le chemin du travail, le chemin de la vérité. Et nous sommes obligés aujourd'hui de suivre ce chemin-là. On n'a pas le choix. On dit qu'il a toutes les institutions avec lui. C'est tant pis, c'est ce que nous avons voulu. Et malheureusement ou heureusement, ça révèle ce que nous étions avant. Ça révèle la vérité des choses d'avant. Et on ne peut pas le blâmer pour cela. La classe politique mérite aujourd'hui d'être complètement renouvelée. Elle mérite d'être toilettée. Elle mérite d'être changée. Je ne sais pas par quel miracle ça va arriver, mais ça se fait. Pour ceux qui sont en prison aujourd'hui, je parle de Réki Amadougou, de Joël, Jacques et Georges Saka, c'est mon tonton d'ailleurs, lui, je lui fais un petit coucou à partir d'ici, et bien d'autres. Je dis que le chef de l'État revienne un peu sa position après l'installation, qu'il fasse un geste d'apaisement. Qu'il fasse un geste d'apaisement et je ne lui demande pas de s'immiscer dans les décisions de la justice, mais pour qu'il fasse tout ce qui pourrait être en son pouvoir pour que ces gens recouvrent la liberté et que le Bénin puisse retrouver un peu plus de paix. Ça va être mon mot de fin. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt, monsieur Hassani Assouma. Monsieur Attaredi, en 3 minutes rapidement, votre mot de fin. Merci beaucoup, M. Vital Panou, pour m'avoir invité à cette émission, qui est une émission capitale. Je pense que le chef de l'État était dans sa posture qu'on lui connaît. Il a assumé au cours de cette interview avec RFI et France 24, il a assumé, il a expliqué sa politique. Il a été véridique en lui-même parce que pour pouvoir développer un pays et pour pouvoir amorcer l'essor d'une économie, il faut pouvoir être véridique en soi-même. J'ai vu un chef de l'État qui n'était pas ressemblé à quelqu'un d'autre, qui n'a pas pris la peau de quelqu'un d'autre pour répondre aux questions des journalistes. Il était égal à lui-même. Il a adopté la posture qu'on le connaît. Et celui-là qui aime travailler, celui-là qui travaille sans être fatigué, celui-là qui veut que le Bénin se révèle à lui-même et davantage, se révèle à la sous-religion, se révèle à l'Afrique tout entière et se révèle au monde entier. J'ai vu un président qui a assumé et qui est prêt a amorcé son deuxième quinquennat avec la rigueur qu'on lui connaît,
avec la sévérité, avec l'esprit de lutter contre l'impunité, de lutter contre l'impunité, avec l'esprit de lutter contre la corruption, avec l'esprit de créer la richesse pour chaque Béninois et pour chaque Béninoise. J'ai vu un chef de l'État que j'ai toujours admiré, qui est sorti et qui a parlé à ces médias internationaux. Je pense qu'il a, il a le plein droit de dire comment il pense diriger le pays. Il a le plein droit de dire ce qui va l'aider à évoluer dans son ambition de développer le Bénin. Il n'a pas fait la volonté de M. Vital Panou, il n'a pas fait la volonté de M. François Attaridi, il a fait sa volonté parce que c'est lui que le peuple béninois a élu pour conduire sa destinée. J'ai confiance qu'il va le faire et j'ai confiance qu'il va réussir sa mission. Pour finir, je voudrais annoncer à la face du monde et à la diaspora béninoise que j'ai l'intention, avec mon organisation, les Émeraudes de la diaspora béninoise, pour transformer cette organisation que nous avons aimé, que nous avions travaillé pour soutenir le président Patrice Talon. J'aimerais transformer cette organisation en un parti politique de la diaspora. Ça va être une première parce que j'ai constaté que la diaspora béninoise, partout où elle se trouve, a toujours des doléances, a toujours des choses à réclamer au pouvoir, a toujours voulu que tel pouvoir lui fasse ceci. Mais j'ai constaté que depuis 1960 jusqu'à nos jours, les gouvernants, les gouvernements, les présidents qui se sont succédés à la tête de notre État n'ont jamais pris la diaspora au sérieux. Dans mes analyses, j'ai remarqué que c'est parce que nous n'avons pas un poids politique. Nous n'avions jamais de poids politique. Et pour participer à la vie politique de notre pays et pour faire changer les choses, pour imposer notre vision de développement au gouvernement, il faudrait que nous réunissions en un creuset, dans un creuset politique. Il faudrait que nous ayons un poids politique. Et il ne faudrait pas que la diaspora prenne des ordres du Bénin pour pouvoir agir. Je sais qu'il y a beaucoup de Béninois de la diaspora qui sont membres de UP, qui sont membres de BR, qui sont membres de Noël Bénin, qui sont membres de PLD, ainsi de suite, qui ont des cellules représentantes de ces partis politiques dans la diaspora, mais ils n'ont pas de pouvoir de décision. Tout ce qu'ils doivent dire, tout ce qu'ils doivent faire sont dictés depuis Cotonou, depuis le Bénin. Il faut que ça change. Et moi, j'ai envie de réaliser cette prouesse de transformer les Émeraudes en un parti politique de la diaspora pour que la diaspora ait non seulement des poids émiettés, mais un poids lourd politique pour que peut-être à l'Assemblée nationale, nous ayons des représentants de la diaspora pour participer au débat, pour que dans le gouvernement, il y a au moins des représentants de la diaspora pour défendre la cause de la diaspora. C'est une nouvelle que je porte à la face du monde. Je ne vous ferai pas passer aux relations publiques pour payer les frais de publicité pour ça, mais j'ai une question pour vous. Ce serait un parti virtuel? Non, ce serait un parti physique qui aura son siège au Bénin, et il aura des membres des militants de ce parti, seront des militants de la diaspora ou des militants du Bénin, du pays. Il aura des militants au Bénin ou des militants de la diaspora, dans la diaspora. Mais on va parler de les idées maîtresses seront dictées par la diaspora, pas de tout le monde. Vous savez qu'il paraît que lorsqu'on est de la diaspora, lorsqu'on est loin, on est déconnecté du pays, qu'on est intoxiqué. Vous ne pensez pas qu'il y aura de l'intoxication dans votre parti politique? Ça, c'est... Non, car pas il n'y a pas, mais pas on, a fait, pas on a fait Monsieur... plus de... On a fait plus de 3 heures de temps. On a fait plus de 3 heures de temps pour parler du Bénin. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on a mal dit quelque chose? Vous avez vu les images où on a présenté la diaspora, les gens de la diaspora qui parlent comme étant désintoxiqués. Monsieur Avolonto, votre mot de fin très rapidement.
vous avez donné plus de 7 minutes à... Il a fait de la publicité, il va passer aux relations publiques pour payer les frais. Vous avez commencé à décompter alors que je n'ai même pas commencé. Enfin, bon, bref. Écoutez, allez, monsieur Valentin, allez, top, c'est parti. En fait, nous sommes malheureusement dans une dynamique, comme je l'ai dit, kakistocratique, où la gestion du pays est une gestion à la petite semaine. Et quand on parle de lutte contre la corruption, de transparence, etc., et que l'on s'octroie le droit d'aller en tant qu'individu, tout chef de l'État soit-on, faire des prêts au nom du pays sans avoir à s'en référer au préalable au Parlement, encore que le deux Parlements, on n'en a plus, quitte à soi de venir rendre compte dans les 90 jours au Parlement. Je voudrais que quelqu'un, à un moment donné, demande à Patrice Talon, c'est quand la dernière fois qu'il est venu rendre compte de prêts qu'il a contractés au nom du pays et dont il a rendu compte dans les limites des 90 jours au Parlement béninois. Nous allons encore vers la levée. Peut-être qu'on n'en a pas encore eu. Ah ben, vous me rajoutez 2 minutes, si vous passez. En fait, les Béninois ne sont même pas au courant des lois gravissimes que Patrice Talon fait voter en catimini et qui portent les germes de graves remous sociaux. Je vais vous donner un exemple. Le journal de M. Folly, La Nouvelle Tribune, a gagné son procès depuis 2017 contre le gouvernement béninois à travers son institution, la HAC. Et la décision de justice, c'est que il y aurait 500 000 francs CFA par jour le retard d'application de cette décision de justice. Savez-vous que en date d'aujourd'hui, ce journal n'a toujours pas reçu gain de cause? Mais entre-temps, Patrice Talon a fait voter en catimini une loi sur les astreintes que l'on devrait payer à Vincent Folly et à son journal. Une loi sur les astreintes combinatoires. Et plutôt que ces astreintes-là soient payées à la partie, en fait, à la victime, non, Patrice Talon fait voter une loi pour dire que ces astreintes combinatoires seront désormais payées à l'État béninois. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est jamais on ne verra ça sur Terre. De ce point de vue, et je vais attirer votre attention sur ce que, depuis les 10 dernières années, le SMIG n'a pas été touché dans ce pays-là pour amélioration. Entre-temps, vous êtes tous au courant des salaires des députés, mais vous n'êtes pas au courant des salaires des ministres, etc. Mais n'empêche, tout le monde... J'ai reçu le directeur de la communication de la présidence sur ce plateau. Je lui ai posé la question... Sur quel barème les ministres sont rémunérés aujourd'hui? Et il m'a fait savoir que c'est sur le barème de 2002 ou de 2004. Je crois que l'interview est encore disponible sur ma page. Je vais vous surprendre en vous disant que ils s'amusent tous pensant qu'on est tous des cons. La plupart de leurs fiches de paye, je les ai. Alors, qu'on aille demander à M. Wadagne, par exemple, combien il gagne par mois. Qu'on aille demander à Patrice Talon combien est-ce qu'il gagne par mois. Combien gagne le ministre? Ah non, ce n'est pas à moi de venir vous révéler les choses. Vous m'interrompez. Non, parlant de réforme d'école, etc. Vous avez encore une minute et on a dépassé. Alors, OK. Oui. Je vais vous dire ceci. Madame Rekia Madougou est en prison. Elle a eu un malaise. Entre-temps, un autre prisonnier dans le temps a été, Toboula, je veux dire, a été évacué. Ensuite, a été gracié. Enfin, bref. Il est temps
que les Béninois se réveillent pour prendre leur destin en main. Il est temps qu'ils arrêtent de jouer à l'autruche pensant que le jour viendra où Dieu viendra les sauver. Pour que Dieu sauve un individu et non d'autres fongumeno. Amazero kolia, maunazero tahawia. Lèvez-vous pour... Vous n'avez pas besoin d'armes. Qu'ils traficotent leurs armes dans les minibus, etc., comme ils veulent. Mettons-nous, vient de faire une représentation théâtrale dont je ne veux même pas parler. Enfin, bref. Merci. Non, je veux dire une dernière chose, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. J'ai ouï dire, et je serai partisan de cela, j'ai ouï dire qu'un groupe d'individus a réfléchi à mettre ensemble les Béninois qui se sentent lésés, qui se sentent en peine par rapport à la gestion de Patrice Talon, et les inviteront à partager par moment, dans un style peut-être mercredi, noir, etc., le même profil. Ça va être... Enfin, je pense que... Monsieur Atadédié, vous allez passer aux relations publiques pour la publicité. Alors, en tout cas, toujours est-il qu'il y a ça en perspective, j'en ai entendu parler, je suis sûr qu'on va devoir en reparler. C'est de bonne guerre. Un parti politique en gestation, un mouvement de réflexion citoyen, en gestation, citoyen. C'est de bonne guerre. C'est pour la vivacité de la démocratie au Bénin. Moi, je vous remercie, n'est-ce pas, pour le temps que vous avez passé avec moi sur ce plateau pour faire ce décryptage aujourd'hui. Salut à vous, M. Avolonto, M. François Atalédi et mon aîné Hassani Assouma qui était resté avec nous. Je remercie également tous les amis internautes qui sont restés en ligne depuis 2 heures déjà. Qui nous ont suivis au-delà de 2 heures et demie au plus, qui nous ont suivis. Oui. Merci encore à chacun d'eux. On se donne rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle émission. Portez-vous bien et bon début de semaine à chacun de vous. Au revoir, merci encore une fois. Au revoir, monsieur Panou, et à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Vivo.